Bonsoir à tous et bienvenue dans le Glénat Manga Live. C'est le premier de la saison 2024 et je suis très contente de vous accueillir, surtout avec une thématique aussi intéressante et passionnante que la dystopie. Certains peut-être ne connaissent pas ce terme parce qu'après tout c'est un genre littéraire qu'on retrouve quand on est féru de certains autres genres, hein, on les retrouve plus fréquemment. Moi-même, la première qui aime pourtant beaucoup lire, peut-être pas des romans, mais beaucoup des mangas, eh bien j'étais pas forcément totalement au fait de tous les termes exact qui définissent la dystopie. Je m'en étais fait une idée, un peu erronée, mais heureusement aujourd'hui on a des invités qui vont nous permettre d'éclairer le sujet, comme notre cher Sender Geek qui est ici avec moi aujourd'hui. Bonjour Sender. Ben bonjour à toi. Je réexplique rapidement que du coup tu es évidemment sur le podcast de MangaCast, tu es quelqu'un qui parle de manga depuis très longtemps et ayant fait des études de cinéma, tu as un œil critique également. C'est vraiment toujours le point que tu essaies de mettre. Bon, il a appris les cinémas, donc c'est bien, il peut non, parler. Non, mais parce qu'en fait, en vrai, tu maîtrises tellement, mais en même temps, tu as fait des études, tu vois, donc ça a du sens parce que je suis en mode, oh, il s'y connaît tellement. Mais bon, au bout d'un moment, il y a une logique aussi. Et tu es aussi chroniqueur pour le Cri du Mochi quand de temps en temps cette émission revient sur Twitch, puisqu'elle est un petit peu absente depuis un petit moment, mais voilà, on a le cast toujours aussi. On l'a pas dit ? Si, je l'ai dit, tu l'as dit, pardon, excuse-moi. C'est le premier truc que j'ai. Je suis tellement stressé, pardon, je suis déjà dans une. Pardon, qui me parle. Il n'y a aucun problème. Dystopie. Dystopie. C'est quoi ? Je connais pas. Dystopie. Merde. Et nous avons évidemment la lumineuse Ludivine, éditrice de Glénat Manga, qui est aussi avec nous aujourd'hui. Et donc c'est sur ce petit trio que nous allons nous amuser. Mais avant de passer à cette discussion qui vraiment va être passionnante parce qu'on a littéralement fait trois fois l'émission déjà avant le lancement, eh bien on va reprendre nos bonnes petites habitudes et on va respecter le sens de l'émission puisqu'il y a des rubriques. On va commencer par l'actualité. Et j'ai évidemment des viewers très amusants puisqu'ils viennent partager leurs opinions sur la dystopie. Et il faut savoir que, voilà, je mets un petit peu les points sur les i. En fait, depuis très longtemps, depuis que je suis devenue streameuse, en fait, il y a ce débat sur le pain au chocolat et la chocolatine, mais genre qui est présent. Donc ça fait des années qu'il y a ce débat. Et donc là, ça reparle un petit peu de la chocolatine et ça a réussi à inclure la dystopie à l'intérieur. Je trouve ça quand même assez phénoménal. Mais par rapport à l'actualité, il n'y a pas de dystopie. Là, on est vraiment dans notre réalité, dans notre contexte à nous. Et il s'est passé des choses vraiment merveilleuses tout récemment. Je vous rappelle qu'on était d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, en live à Angoulême et que c'était trop bien. On a passé un excellent moment. Et entre autres, parmi les beaux événements de ce festival, il y a eu Moto Hagio, qui était invité, qui a fait masterclass, qui a fait des séances de dédicaces, qui a eu le droit à une incroyable exposition tellement belle au musée d'Angoulême. Mais entre autres, il y a aussi eu cette récompense qu'elle a reçue. C'est le fauve d'honneur du festival de la BD d'Angoulême. Un fauve qu'elle a reçu donc pour cette 51e édition du festival. Et en fait, il est là évidemment pour couronner cette incroyable carrière qu'elle a depuis tant d'années, car elle a commencé dans les années 60, il me semble, ou les années 70, donc ça fait un long moment, et elle a vraiment changé l'image du manga, elle a révolutionné le shoujo manga, en l'occurrence spécifiquement, donc il fallait qu'elle puisse recevoir effectivement un prix. Moi je l'aurais vu dans plus de choses, hein, à titre personnel, mais le fauve d'honneur, c'était déjà une belle preuve de la reconnaissance de son parcours, de son travail et de tout ce qu'elle représente finalement dans le manga aujourd'hui. Tu as eu l'occasion de voir un petit peu l'expo par exemple ? Oui, tout à fait. J'y suis d'ailleurs allé quasiment que pour ça avec mon collègue de MangaCast Midin que j'ai vu et dans le chat. Ah, où je n'étais pas sûr d'aller à Angoulême cette année. Oui, et il m'a dit « Ah mais il y a l'expo et il va y avoir une conférence, il va y avoir une masterclass, il faut y aller. » J'ai dit « Bon, allez, d'accord, si tu veux. » Et il a eu raison de me pousser un peu le derrière pour y aller parce que c'était super à regarder. Déjà, bon, les expos de manga, on a quand même beaucoup de chance en France quand il y en a, que ce soit à Paris ou Angoulême ou dans d'autres coins, dès qu'il peut y en avoir une, parce que voir des planches de bande dessinée, des vraies planches, c'est toujours super intéressant. On peut voir la matière, on peut voir vraiment un travail, c'est quelque chose de très vivant. En plus, moi, je trouve que les expos, en tout cas, celle-là, en tout cas, était pas mal, puisque Xavier Gibert, et son collègue, dont j'ai malheureusement oublié le nom, je suis désolé, qui ont été les maîtres de l'exposition, les commissaires d'exposition.
ont écrit des textes très intéressants. Ils ont essayé de remettre en perspective plusieurs éléments sur les différents genres que l'autrice a abordés tout au long de sa carrière, les évolutions, les styles. Ça permettrait de montrer plein de planches très intéressantes. Et moi, du coup, il y avait une série que je ne connaissais pas d'elle et j'espère que ça va sortir. C'est la plus longue série qu'ils ont appelée sous l'égide d'un dieu cruel, je crois, Zangoku Nakami. Zankoku, comme le titre de la de chanson. Ben oui, d'ailleurs, c'est une référence. Quelqu'un m'a dit récemment que c'était une référence directe. Ouais. C'est, alors j'ai eu le même écho. Anno Hideaki Anno, le créateur d'Evangelion, il a. Enfin, sur ça, voilà. Donc encore une fois, sans Moto Hagio, comme on m'a dit, sans Moto Hagio, il n'y aurait pas eu Evangelion, peut-être. Voilà. Là, on peut aller très loin. Non, mais voilà, c'est ça. C'est... Non, mais en tout cas, c'est super. Et la conf, elle était. Enfin, la masterclass était très intéressante. C'était peut-être un peu une redite de l'expo quand on avait vu l'expo juste avant, parce qu'il suivait beaucoup le chemin. Oui. Chronologique, mais c'était pas plus inintéressant pour autant. Surtout qu'elle a donné quelques petites anecdotes intéressantes sur elle-même, deux trois choses comme ça. Donc non, c'était vraiment super, moi je trouve, à regarder. Ouais, non, c'était un très bon moment. Je sais pas si t'as eu l'occasion d'aller en Angoulême, si t'as pu profiter aussi. J'ai justement fait cette exposition et c'est vrai que le côté très personnel, justement, j'avais bien aimé parce qu'elle parle de sa famille, de son rapport avec ses parents, c'est quand même pas ce qu'elle raconte sur ses parents. C'est très fort. C'est très fort en fait, et on s'attend pas forcément de la part d'une autrice japonaise de transmettre ce genre d'informations. Donc ça, j'avais trouvé ça très chouette. Et pareil, en fait, en voyant les planches, je me dis mais j'ai envie de lire ça. Et cette histoire, elle a l'air super. Et c'est où en France exactement? Donc là, moi, je suis revenue d'Angoulême avec cette envie de lire beaucoup plus de Moto Hagio. Alors que j'avais lu de la rêverie, j'avais lu de l'humain. Ma culture, pour le coup, de Moto Hagio n'est pas encore assez importante, mais j'avais adoré de l'humain, et donc ça m'a donné envie de découvrir encore plus le reste. Donc là, j'ai vu qu'il y avait quelques séries dans la concurrence, etc. Effectivement, normalement, on va avoir beaucoup plus de Moto Hagio, mais pour les gens qui sont intéressés, effectivement, c'est déjà disponible depuis le 17 janvier. Vous pouvez retrouver les deux titres de l'anthologie de la rêverie de l'humain dont tu as parlé, disponibles partout en librairie. Et dedans, il y a une de mes histoires préférées. Nous sommes 11. J'arrête pas d'en parler à plein de gens. J'ai le nombre de gens que je harcèle littéralement avec cette histoire. C'est hallucinant. C'est là que je me suis dit... Pourquoi je lutte depuis tant d'années? En fait, je suis une fan cachée de SF. Je comprends pas. À chaque fois, je vais jamais me diriger vers les titres de SF, mais genre jamais, tu vois, il y a des grands ponts culturels là, jamais je les ai ouverts avant. On va en parler. Et en fait, on va en parler justement. Et en fait, à chaque fois, je me dis, mais c'est juste trop bien. Donc, je pense qu'il y a un truc, un problème à l'intérieur. Ensuite, autre événement hyper important qui s'est produit à Angoulême. C'est merveilleux. J'avais confiance en Louis et Louis avait confiance en lui aussi. C'est pas facile à dire. Louis et lui. Il s'agit évidemment donc de son titre Red Flower qui a reçu le prix manga des cheminots. Oh là là, encore bravo à Louis parce que le gars est hyper talentueux. Regardez, vous avez ici la sa photo. Ah bah écoute, la casquette des cheminots, j'imagine. C'est ça, en toute logique. Alors j'ai quand même essayé de savoir un petit peu à quoi correspondait ce prix. Merci encore le CM qui m'a aidé parce que je trouvais vraiment pas d'infos. Au début, moi je me suis dit, c'est le prix des cheminots, c'est tous les conducteurs de train de France qui ont voté, tu vois, je me posais vraiment la question. Tous les conducteurs SNCF lisent du manga et votent. Et en fait, non, il s'agit du comité des activités sociales interentreprises des cheminots d'Auvergne et Nivernais, qui en fait sont en association a priori avec de nombreuses bibliothèques, si j'ai bien compris, parce que du coup, c'était à travers ça qu'il fallait voter. Il y avait donc voilà des périodes pendant lesquelles on pouvait faire le vote, etc. Donc c'est, il y avait un système quand même bien mis en place et bien défini, c'est pour les salariés du comité des activités sociales interentreprises des cheminots d'Auvergne Nivernais. Voilà, c'est le truc assez assez complexe, mais comme ça je ne suis plus dans l'erreur. Moi j'étais vraiment convaincue que c'était tous les gens de la SNCF qui avaient voté, mais spécifiquement les conducteurs de train. S'il n'a pas la carte de conducteur de train, il peut pas voter pour lui. Mais du coup c'était mignon, voilà, qu'il a eu la petite casquette, parce que je rappelle qu'il a été aussi en sélection pour le prix jeunesse du festival de la BD d'Angoulême. Il y avait une énorme concurrence en face, et il me l'avait dit aussi quand on a pu faire le live ensemble, mais il était confiant pour le prix des cheminots et on est très contents, ce titre mérite à être connu. Je vous rappelle que d'ici quelques mois, vous pourrez retrouver évidemment le tome 2, la suite. Car là aussi, en fait, en vrai, c'est pas une dystopie encore, mais... la meuf qui s'arrête plus. Non, mais en fait, vous savez, si vous avez lu le tome 1, vous savez qu'à la fin, il y a un cliffhanger très particulier qui vous retourne potentiellement l'intégralité de l'histoire dans un autre registre. Donc...
En vrai, on peut se poser des questions. On ne sait pas encore ce qui nous attend réellement pour la suite, surtout qu'il est resté très mystérieux, hein, Louis. Hein. J'ai essayé de lui tirer les vers du nez. Il n'y avait vraiment pas grand-chose qui a pu en sortir. Attendez, qu'est-ce que vous dites? La raison des retards de train est donc révélée, c'est parce qu'ils lisent des mangas. Ah, mais c'était ça. Si seulement c'était ça. Si seulement. Si seulement c'était à cause de ça. Si seulement c'est pas juste parce qu'on commence à aller vers une dystopie dans notre monde, tout simplement, peut-être. C'est vraiment le mot du jour, c'est la dystopie, puisque c'est évidemment la thématique. Alors, on va passer à la deuxième rubrique de l'émission, à savoir Demain en librairie. Et on va parler tout d'abord d'une œuvre fabuleuse pour tous les fans de musique et puis pour tout le monde de manière générale. Vous devez aller les découvrir. Blue Giant Explorer, notre cher Dai, qui est parti évidemment à la conquête des États-Unis. Vous le savez, il y a donc plusieurs arcs, ouais, oui. On peut dire des arcs narratifs, hein, puisqu'il y a le premier arc qui s'appelle juste Blue Giant, où il est au Japon, l'autre arc où il se trouve en Europe, et ouais. Enfin ce dernier sur lequel il va parcourir les States. Et on rappelle bien évidemment qu'il y a le film d'animation, oui, Blue Giant, qui sort officiellement en France, et on l'attendait. Je crois qu'on l'a attendu un an, je crois que ça fait un an dans l'émission, on est en mode, oh, va y avoir un film, oh incroyable, oh, on a un trailer. À chaque fois, on a disséminé la news au fur et à mesure des émissions, et au compte-gouttes, on a eu toute cette excitation et cette hype qui a grandi, et enfin, ça y est, on a une vraie date, le 6 mars, à partir du 6 mars, il sera en salle. Vraiment, vous devez aller le découvrir, vous devez aller le tester, parce que il est incroyable. Il est incroyable. On l'a vu d'ailleurs avec Thunder en séance presse. On était exactement à la même. Mais en fait, t'étais pas là. Non, mais j'étais à celle d'hier, moi. Donc on s'est raté. Voilà. Parce que du coup, j'allais dire, j'ai tourné la tête à gauche et littéralement fait une brochette Glénat. Ah ouais, bah oui. Il y avait une brochette de Glénat. On s'est divisé. Ah bah oui, bah, j'étais impressionnée. Au moment où j'ai cru que c'était une dystopie. Non, j'arrête. C'est comme la blague du thé. J'arrête pas de ressortir le terme, même dans des contextes qui sont absolument pas les bons. Mais ce n'est pas grave. Vous avez compris qu'on faisait des blagues. On maîtrise l'humour ici, hein, comme vous pouvez le constater. Mais donc, le film va évidemment sortir. Et oui. On a déjà parlé du fait qu'il y avait de la CGI qui n'était pas forcément la plus élaborée hein, qui soit, mais en dehors de ces petits morceaux mal choisis, le reste, c'est phénoménal. Non. C'est pas que c'est mal choisi, mais bon, c'est compliqué. Ah, moi, j'aimerais juste enlever. Non, mais en fait. Mais c'est moi. Non, c'est mais moi. Disons juste pour ceux qui verront le film, la CGI, elle est pas belle, effectivement, mais le choix, je pense, il était logique dans le sens que c'est de la performance capture, c'est-à-dire qu'ils ont pris des vrais jazzman et ils leur ont fait jouer les morceaux, et le but était ensuite qu'ils ont redessiné par-dessus les différents mouvements de saxo, de piano et ainsi de suite. Là où c'est plus compliqué, c'est qu'ils ont choisi de prendre de la 3D et non pas de la 2D comme beaucoup de gens quand ils font ce qu'on appelle de la rotoscopie, parce que c'est le nom de cette technique de filmer quelque chose et de redessiner par-dessus. En général, on a essayé de le faire plutôt en 2D ou de la 3D qui passe par un effet un peu de cel-shading ou de dessin animé. Là, c'est vraiment assez vilain, effectivement, ça se voit beaucoup. Mais l'idée n'était pas mauvaise en soi. Enfin, je pense que je peux capter l'idée de vouloir faire quelque chose de très réaliste au niveau des doigts passages, et genre de choses. Bien sûr. C'est ça le plus problématique, je pense, c'est vraiment ça. Mais à partir de là, t'as raison, le film, ils ont fait des bons choix d'adaptation. Oui. Ils adaptent une partie de la première série, celle du tome 5 au tome 10, quelque chose comme ça. Oui, parce qu'il n'y a pas l'arc où il est au lycée, on va dire. Il n'y a pas le mini-arc du lycée, on commence après, quand il arrive à la capitale. Et en fait, c'est hyper bien pensé d'avoir... Il y a des bons choix de mise en scène, il y a des bons partis pris dans le récit. Mmh. La fin, musicalement, le final est quand même plutôt joli aussi, ça on l'a tous dit aussi. Oui, il y a des choix artistiques sur la 2D qui sont époustouflants, mais vraiment époustouflants. J'en ai eu des frissons, j'ai même pleuré plusieurs fois. Toi aussi, t'as fait partie de ceux qui pleuraient ? Ah ouais. J'ai été team larmes. Et en fait, j'étais vraiment en mode, il n'y a pas de raison que je pleure quand même. Je vais pas pleurer. Et en fait, si, ils ont réussi. C'est vraiment très fort. Alors que dans ma tête, il y a eu les petits moments où j'étais, là, je suis fâchée, j'aime pas trop la CGI que je vois. Mais malgré ça, l'émotion était quand même présente. Donc pour moi, le film, c'est un très grand oui. Et donc je vous rappelle que sur Explorer, évidemment, c'est pas l'adaptation de ce film, c'est bien plus tard. Mais. Si le film marche, peut-être qu'il y aura après la suite, et puis ouais, on aura trois films peut-être. Au moins. Ah, ce serait merveilleux. Ça moi, serait c'est mon but dans la vie. Mon but dans la vie, oui, c'est relatif. Mais ensuite, nous avons en sortie cette semaine Dragon Ball Super, que vous retrouverez du coup, évidemment, dès demain en librairie. C'est le tome 21. Je sais jamais comment placer. Voilà, comme ça, c'est mieux. Voilà, il y a eu la validation du CM derrière, elle disait « Tu n'as jamais aussi bien tenu un livre, c'est merveilleux. » Ok.
le Red Ribbon revient sur le devant de la scène, hein, pour les gens qui sont particulièrement à jour sur la publication de Dragon Ball Super, une publication qui d'ailleurs continue toujours au Japon aussi, hein, on n'est pas ni en fin, c'est vraiment dans la continuité, on est bien, et on aura évidemment des nouvelles très bientôt à vous partager par rapport aux annonces qui ont été faites. Dragon Ball en couleur arrivera et il y aura des trucs. Voilà, il y aura des trucs à vous partager. Soyez patients. Mais je sais que vous l'attendez, hein, au vu des réactions sur les réseaux sociaux. Ensuite, nous avons l'œuvre du débat, j'ai envie de dire, After God, le tome 3, puisque alors, littéralement, merci, j'étais seule au monde à dire « Non, mais je pense que quand même, ça peut être une dystopie. » Bon, en fait, non, effectivement, parce que je n'avais pas tous les éléments, mais After God, vraiment, je suis vraiment en très très gros kiff sur cette œuvre, qui est un peu particulière, parce qu'en fait, quand on lit le premier volume, c'est assez compliqué à pitcher, mais une fois qu'on a le tome 2, on comprend un peu mieux dans quel univers on est en train de poser les pieds, et je pense que le 3 va amener quand même beaucoup plus d'éclaircissement, et il y a des personnages qui sont ultra charismatiques. Vraiment, il y a des personnages, on s'y attache très fort, alors qu'on n'a pas vraiment d'éléments, finalement, concernant tous ces protagonistes, car on est, enfin moi en tout cas, sur les deux premiers tomes, à part quelques éléments de réponse, on est quand même un peu dans le flou. Ah oui, d'accord, je crois que on est quand même un peu dans une dystopie, ça me l'a. Tu peux me le dire quand même. Oui, si tu veux, Caro. C'est validé cette phrase. C'est oui, on la est... même blague que moi, vous on avez est... vu. On est... Oui, on est dans le flou. Et moi, j'aime bien After God. Je suis à la moitié du tome 2 pour l'instant. J'avais trouvé, dans le tome 1 en tout cas, parce que je l'ai lu en entier, là, je peux revenir sur le tome 1 très vite. Au nom que le dessin est vachement qualitatif pour une première œuvre, il me semble, de mémoire de l'auteur. Je crois. Je sais plus qui l'avait dit. En tout cas, c'est vraiment qualitatif. Ouais. Moi, j'aime bien, c'est l'univers qui, dès le tome 1, est posé. Oui. Les règles qui sont posées, et même l'univers de manière esthétique, donc là, les dieux, les divinités, tout le. Comment ça, le comité anti-dieu là qui se crée, oui, tout ça, enfin les différents personnages, ça, l'auteur il arrive au moins assez bien à rendre le récit très dynamique très vite. Oui. Et même si on est pour l'instant encore sur des clichés de narration où c'est le héros, l'héroïne du coup dans ce cas-là va un peu découvrir ses pouvoirs, il y a des mecs qui arrivent, ils ont des pouvoirs magiques, on sait pas qui c'est, machin. Il y a un vrai potentiel à ce que l'intrigue se complexifie de plus en plus. Et c'est un titre, je pense, à surveiller dans ce genre de récit, un peu, si on aime la SF, un peu mystique, quoi. Oui, moi j'ai vu des gens être convaincus encore plus vite que ça. Ils ont vu un chat. Ah bah, parfait. Ah, oui. Ah bah, c'était rapide. Un chat bianus. Bah non, mais c'est littéralement la deuxième case sur ce chat. Je ne savais pas que ça allait être un élément de choses importantes. En lisant After God, je ne pensais pas que ça serait important dans le récit, mais vu que c'est la deuxième case, je me suis dit, bon, ça a l'air d'être important pour l'auteur. Voilà. Le chat le précise en plus. Il y a des plans d'ailleurs qui sont très, très axés sur la partie arrière. Oui, c'est un fait. Donc a priori, ça a l'air d'être quelque chose d'important. Je le conçois effectivement. Mais voilà, After God, le tome 3 à retrouver évidemment dès demain en librairie. Ensuite, on a Full Night. Vous le savez, à chaque émission où on l'aborde, je suis tout le temps en train de vous partager mon amour pour cette œuvre. Une réelle dystopie, sans aucune blague cette fois-ci. Ça peut être le bandeau du prochain volume. Une réelle dystopie, Caroline Segarra. Toujours important d'avoir un petit verbatim. Carrément, voilà. Pas mal, je serais carrément mais sur oui, le mais c'est bandeau vrai. Publicitaire. Une réelle dystopie. Une réelle dystopie, c'est son point fort. Une réelle dystopie qui vraiment vous embarque de volume en volume. Jamais, un seul moment de répit, j'ai envie de dire. On ne s'ennuie pas, j'ai pas la sensation d'avoir ne serait-ce qu'un instant de flottement parce que il y a tout le temps des révélations, il y a énormément d'action et il y a aussi tout un espèce de complot politique qui se trame en fond. Mais qu'on n'a pas du tout image, enfin, je ne voyais pas du tout arriver avant que d'un seul coup il se passe des trucs. Après, il y a vraiment des ambiances qui sont posées de manière très différente dans la plupart, dans les tomes en fait, hein, quand ils s'enchaînent. Et je trouve ça extrêmement fort. Parce que souvent, moi personnellement, quand je lis des histoires, on nous pose une ambiance et on va souvent être dans cette ambiance tout du long. Et là, je trouve que il y a vraiment des rythmes. Il y a des moments où je suis super angoissée, il y a des moments où je me dis « Ah d'accord, en fait, c'est ça qui est en train de se passer. » Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en gros, moi, vraiment, il me balade. Il me balade dans tous les sens, l'auteur.
Je suis à chaque fois impressionnée par son talent. Parce que là aussi, on est sur un artiste qui n'est pas forcément... Voilà, il n'a pas 10 ans de carrière. Non, c'est sa toute première œuvre. Ça, je me souviens bien, il l'avait dit en interview. Ultra talentueux. Enfin, je suis impressionnée. Et puis, t'es attrapée dès le premier tome, en fait. C'est ça aussi qui... Complètement. Qui fait que moi, j'ai adoré Full Night dès le début. C'est que dès les premières planches, en fait, tu dis, OK, il y a un univers, il y a un style, il y a un dessin qui est incroyable. Encore cette scène avec la mère qui est hyper... On en avait déjà parlé, mais oui, incroyable, un autre live, mais c'est une de mes séries, pour le coup, quand je sais que je vais bosser dessus, c'est mon petit moment plaisir, Full Night, ok, j'y vais, et je me laisse porter par l'histoire, par le style, par l'auteur, donc ça c'est un de mes coups de cœur. Même le style graphique, pardon, il détonne un peu par rapport à d'autres séries actuelles, ouais, complètement. Et je trouve que ça lui donne vraiment... une signature, ouais. Quoi, ça lui donne vraiment une signature. Et alors, je sais plus si dans une interview que j'avais lu, il parlait c'est pas lui qui parlait d'Erasmo Moquette, c'est qui parlait d'Erasmo Moquette? Ça, je sais pas, ça doit être un autre, peut-être c'est un autre. Ça me dit rien. Ah, ça m'avait choqué, ou alors c'est quelqu'un qui m'a dit, moi non, moi absolument pas. Non, moi non. On parle même de la même série, on est d'accord. Mais il y a quelqu'un qui m'a sorti ça, je crois. J'avais vu passer ça et j'avais été très choquée. J'avais poussé des hurlements et tout, mais je crois que c'était pas en émission ici. C'était un autre moment, mais j'étais en mode comment ? J'adore. C'est pas possible. Voilà, Full Night, il faut absolument le tester. On reviendra d'ailleurs plus en détail justement après par rapport au sujet de la dystopie. et pour vous dire que la dystopie est tellement diverse et variée, Jean Bride, voilà, nous le mettons également dans le contexte de la dystopie. C'est une des nouveautés de cette semaine, le tome 2, qui était extrêmement attendu. Je vous rappelle que le premier volume se terminait sur un cliffhanger avec un twist. On comprenait pas où est-ce qu'on mettait les pieds, on pouvait se poser beaucoup de questions. On était vraiment dans de la théorie pure sur la fin du volume 1. Là, sur le volume 2, très clairement, on a pas mal de réponses, mais il y a tellement de mystères qui restent encore, parce que c'est vraiment des bribes, d'indices. On commence à comprendre quelques mécanismes, mais on ne comprend toujours pas finalement qu'est-ce qui régit réellement tout ça. Je reste aussi très mystérieuse dans mes explications pour ne pas trop vous dévoiler, parce que vraiment, là, j'ai la chance de l'avoir lu en amont. J'ai pas lu les autres parce que je les ai pas lus en amont. Mais lui, Jean Bright, je l'ai lu en amont, le tome 2. Donc je peux vous dire que moi, je sais. Toi aussi, tu sais. Nous sachons. Mais Jean Bright... incroyable, incroyable. Et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure en off, en fait, avec Thunder, mais en fait, dans ce volume 2, vous avez également une interview croisée de l'autrice avec, j'ai oublié son nom, mais l'autrice de Entre les lignes, entre qui les est lignes. Aux éditions Cana. Oui. Voilà. Le titre Entre les lignes, qui est aux éditions Cana, son autrice fait une interview croisée, voilà. Parce qu'elles sont... attends, passe-moi le tome, parce qu'on va me taper, ouais. De ne pas avoir donné son mais nom. J'ai toujours, pour le coup, je fais de la dyslexie et j'ai toujours du mal avec les noms. Donc, mais je sais pas, c'est Tomoko, voilà. Tomoko Yamashita, j'étais en mode, je sais qu'il y a T dans son nom. Mais Tomoko Yamashita, qui en plus est une autrice qui écrit dans tous les sens. Elle fait aussi du boys love. Enfin, vraiment, elle est assez impressionnante. Et en fait, quand j'ai vu cette interview croisée, j'ai été ébahie de la connexion. Parce qu'en fait, si on fait un peu attention, effectivement, c'est deux personnes qui ont beaucoup de choses à dire toutes les deux par rapport à leur narration. C'est des femmes très engagées, ouais. Sur la question globalement du féminisme, mais pas que, de la condition humaine en tout cas. Et désolé pour les noms, mais l'autrice d'Entre les lignes, elle est Tomoko Yamashita. Elle est globalement la senpai de l'autrice de Jean Bright, dans le sens qu'elle est une génération au-dessus. Bien sûr. Et elles sont plutôt amies, mais elle le dit clairement qu'à de base, elles avaient une relation, avant qu'elle fasse Jean Bright, une relation un peu de confiance, puisqu'elle disait qu'elle lui ébouriffait les cheveux, des choses comme ça. Je me dis, bon, quand tu ébouriffes les cheveux de quelqu'un, en général, surtout au Japon, ça va, tu l'aimes un peu quand même. Ouais, c'est qu'on a un niveau de proximité quand même qui est pas... Je dirais voilà. Que ça va, quoi. Et puis il y a de l'admiration aussi entre elles, donc ça c'est... Et elles se nourrissent l'une de l'autre, mais pas que. Enfin, c'est super comme interview, et ce qui est super, c'est qu'il y a des pages entre les lignes, et que c'est un très bon entretien croisé, moi je trouve. Je sais pas qui a posé les questions, c'était au Japon. Oui, c'était au Japon. Mais c'est super intéressant en tout cas. Donc clairement, à lire en plus à la fin du tome. Oui, c'est vraiment le petit bonus que, en fait, quand je suis arrivée à la fin du tome 2, j'ai fait...
waouh, surprise, parce que c'est pas comme si c'était écrit devant sur la jaquette ou attention, il y a une interview croisée. Donc c'était un petit peu la petite surprise à la fin de la lecture. Donc vraiment, je vous le dis, vous pouvez même foncer directement sur l'interview avant, mais normalement la curiosité est trop forte. Vous avez envie de savoir ce qui se passe dans le tome 2, mais ça fait extrêmement plaisir d'avoir ce genre de contenu, alors que c'est même pas un tarif supplémentaire, enfin c'est inclus dans le tarif du volume normal. C'est... Non, parce que des fois, quand il y a des bonus comme ça, enfin c'est des éditions spéciales, dédiées, là, pas du tout. C'est l'édition normale, elle est comme ça de base, donc je trouve ça juste génialissime. Et du coup, voilà, c'était l'intégralité des sorties de cette semaine du côté de chez Glénat Manga, et du coup, on va pouvoir passer à notre focus. Et donc la dystopie, un grand sujet où on n'arrête pas de discuter avec, avec Thunder, mais également avec Ludivine et un petit peu presque tous les gens de chez Glénat. Apparemment, il y a eu des discussions hein, pour se mettre d'accord sur la définition. Alors, à titre très personnel, j'en avais une image. J'avais une image de la dystopie qui était évidemment pas du tout la bonne. À peu près. On était sur un à peu près. Mais en fait, la dystopie avait l'air quand même très complexe de manière générale, puisqu'il y a vraiment une page immense sur Wikipédia qui explique la dystopie, qui explique d'où vient la dystopie, entre l'étymologie et également finalement son histoire, l'utilisation du terme pour la première fois dans un cadre littéraire. Et alors, en gros, moi, de ce que j'ai comme définition de la dystopie de par Wikipédia, qui... en ma tête est quand même un peu un espèce de dictionnaire, en quelque sorte, c'est que c'est un récit de fiction qui dépeint une société imaginaire, organisé de telle façon qu'il soit impossible de lui échapper, ce que tu me disais d'ailleurs quasiment avec presque les mêmes mots tout à l'heure, et dont les dirigeants peuvent exercer une autorité totale et sans contrainte de séparation des pouvoirs sur des citoyens qui ne peuvent plus exercer leur libre arbitre. Jusque-là, oui, c'est globalement... exactement ce que tu me disais. Non, mais c'est ça. Oui, globalement, c'est ça. C'est, en fait, c'est, tu dis l'article est long sur Wikipédia, c'est que par rapport à d'autres genres littéraires où il n'y a pas trop de... où le consensus est déjà fait. Là, c'est un genre où il y a quand même encore beaucoup de gens qui débattent, parce que toi, tu me disais au début, c'est une contre-utopie. Et c'est vrai que c'est une définition que beaucoup de gens aussi ont de ce qu'est la dystopie, de par la définition, l'étymologie même de dystopie. Il est dit également, une dystopie peut également être considérée, entre autres, comme une utopie qui vire au cauchemar et conduit donc à une contre-utopie. L'auteur entend ainsi mettre en garde le lecteur en montrant les conséquences néfastes d'une idéologie ou d'une pratique contemporaine. De fait, la différence entre dystopie et utopie tient davantage à la forme littéraire et à l'intention de son auteur qu'au contenu. En effet, nombre d'utopies positives peuvent également se révéler effrayantes. On est d'accord que c'est possible aussi, mais bon, tout après, il pas de... après, il ne donne pas 50 000 exemples, hein, bien entendu, mais il est vrai que sur la page, si vous jamais vous allez vous aussi vous amuser sur Wikipédia et que vous allez sur la page de la dystopie, évidemment, ça parle des titres qui ont popularisé la dystopie avec 1984, avec Fahrenheit 451, Soleil Vert, Un Bonheur Insoutenable également, dans les années 70. Donc toutes ces œuvres, évidemment, sont un peu les fondements de la dystopie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et a priori, la première utilisation de la dystopie, c'était dans un discours en 1868. Donc ça remonte de fou. Oui. Ça remonte de fou. Parce que moi, dans ma tête, c'était un terme très contemporain. Mais en fait, il a été utilisé effectivement il y a très longtemps. Effectivement, et la dystopie, disons que c'est un genre aussi qui est assez intemporel, dans le sens qu'encore de nos jours, tu as des œuvres dystopiques, puisque la dystopie, elle part sur un principe d'anticipation dans le temps, plus ou moins large. Tu vois, 1984 se passe en 84, alors que l'intrigue se passe... Enfin, le roman était écrit en... 1949, il me semble, c'est ça, ouais. J'avais vu passer. Mais tu peux prendre par exemple une dystopie qui, je pense, peut parler à beaucoup de gens parce qu'elle a été adaptée en série télé il y a quelques années. Elle a fait beaucoup parler d'elle. C'est la Servante Écarlate, qui est une dystopie qui a été écrite dans les années 80. Ouais. Et déjà dans les années 80, l'autrice mettait en garde sur les dérives du conservatisme aux États-Unis et de comment est-ce que en gros, un moment ou un autre, les hommes allaient essayer de nouveau de brider et d'emprisonner les femmes dans un rôle de mère porteuse, quoi, clairement. Et on c'est peut tellement même, actuel comme thème. Sans faire de la politique de bas étage, c'est-à-dire que les discours récents qu'on a entendus sur le réarmement démographique ont fait rappeler aux gens cette série-là. Et c'est l'un des intérêts, je pense, de la dystopie. Peu importe la définition en fait, qu'on en a.
c'est qu'elle a pour but de faire réfléchir aux dérives de notre société, en fait. Et pour que ça marche, elle est d'alerter. Et pour que ça marche, il faut, selon moi, encore une fois, c'est là qu'on avait un débat sur, oui. Pour After God, moi je te dis, ça peut pas l'être. C'est pour moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un pouvoir, en fait, qui est représenté par l'État en général, pas que, mais il faut qu'il y ait l'État qui impose une forme de répression sur les habitants. Qui en sont conscients et qui l'acceptent de manière plus ou moins passive. Et souvent, quand les histoires commencent, tu as ça. Et donc là, c'est pour ça qu'on disait Full Night dans les séries récentes de chez Glénat, c'est le meilleur exemple, puisqu'on part d'un état de fait où il y a un voile qui recouvre la planète, le soleil ne touche plus la Terre voilà, depuis des années. Voilà, on est dans une ville, enfin un monde noir, complètement noir. Et donc du coup, vu qu'il n'y a plus le soleil qui touche la Terre, et ben, les plantes sont mortes. Donc, vu que les plantes nous donnent de l'oxygène, on aurait dû mourir, mais... l'humanité a trouvé une solution, c'est un concept de, j'allais dire terraformation, mais non, c'est de, en gros, transformer les êtres vivants, surtout les humains, en plantes. Et donc, quand l'histoire commence, on est sur une société qui est assez horrible selon notre point de vue contemporain, où tout coûte très cher, la vie coûte très cher, vous avez très peu de chances de vous en sortir et de vous élever socialement. Mais c'est pas grave, il y a une solution, si vous voulez, c'est vous pouvez mourir et devenir une plante. Donc on va vous mettre une graine magique, enfin une graine de... C'est un principe de SF du coup dans le récit. Il va vous rester environ 3 années à vivre à partir de là. Donc en gros, vous êtes maintenant déclaré non plus vraiment comme un être humain, mais comme un mort... ils appellent ça un sanctiflore dans le récit. Ouais. Et c'est un mort en devenir, quoi. Et pour, en contrepartie, en revanche, on vous offre beaucoup d'argent pour que les 2-3 dernières années de votre vie, vous les passiez pépouze, à faire ce que vous voulez, à manger ce que vous voulez, comme vous voulez, après, y avait manger des, de la vraie viande. Il y a des conditions, effectivement, qui sont... qu'on découvre après. Voilà. La base du récit, c'est ça. On te dit, globalement, bon, bah, t'es pauvre, mais c'est pas grave, tu peux être riche pour au moins 3 ans. Est-ce que c'est pas mieux? Et puis surtout, tu aides la société. Et t'aides la société, et voilà. Ça, c'est le point le plus important, c'est qu'on aide la société à s'épanouir, on aide ses proches, finalement, entre l'argent qu'on va leur laisser, s'il en reste, et surtout, on va leur donner une chance de pouvoir continuer à respirer, continuer à vivre. Donc c'est bon pour le... Ouais, c'est bon pour la société. C'est l'un des aspects de la dystopie aussi, c'est que l'État essaye de faire croire que les actions qu'ils font sont faites actions, pour le peuple et sont sûr. Faites... Pour aider l'humanité, quoi. Ouais. Dans les romans que tu as racontés, il y a beaucoup, par exemple, de... C'est un truc un peu important de la dystopie que tu retrouves dans la plupart des œuvres dont on parle, c'est une émotion de censure, en fait. Oui. Le gouvernement censure énormément les actions qu'il fait, oui. Et laisse croire ce qu'il a envie au peuple et le laisse un peu benêt sur la situation, quoi. Et souvent, le héros, va dans ce genre d'œuvre, va découvrir un peu l'horreur de la société et ce que ça cache vraiment, quoi. Et bah, Full Night, c'est littéralement ça. Oui. Et Full Night, ce que moi, je trouvais malin dès le premier volume, c'est que on te pose donc cet état de fait de tu vas aider la société mais tu vas avoir beaucoup d'argent et ça va aller, ce qu'on prend pas en compte. Donc le héros lui a globalement une vie de merde, hein. on va le résumer comme ça. On dit ça poliment, ouais. C'est réel. Il en a un peu marre de vivre, hein. Et littéralement quitte à mourir, autant passer 3 années de sa vie un peu bien. Il va pouvoir peut-être mettre de l'argent pour s'occuper de sa mère, lui pouvoir un peu vivre décemment le peu qui lui restera. Et il se fait voler son argent tout de suite et il se retrouve dans la panade. Donc on se dit, ah bah, il est con, notre héros, c'est un peu nul. Donc il va y avoir une solution pour lui, c'est qu'il va devenir agent pour le ministère, en pour gros, l'administration qui s'occupe des sanctiflorisations. Puisqu'il va se trouver que notre personnage principal, l'opération lui a donné une capacité surprenante qu'il doit garder secret à part par une poignée de personnages qui sont au courant dans le récit, c'est qu'il peut maintenant entendre les différents sanctiflores, donc les personnes mortes transformées en plantes. Donc il entend les plantes, littéralement, qui sont les échos des souvenirs des personnes passées, ou même des fois les plantes se font l'écho, émotions, l'écho voilà. Des émotions des gens autour d'eux. Quoi. Oui, ça fait ping-pong, ça rebondit dessus. C'est et... ça. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'après on montre d'autres personnages qui font aussi qui deviennent des sanctiflores pour toucher de l'argent et être bien, et on se rend compte qu'en fait, beaucoup d'entre elles finalement sont pas si bien que ça, parce qu'en fait elles ont tellement d'arriérés, d'impôts, de factures, de machin, que la somme astronomique, elle est tout de suite partie, et qu'en fait ils se retrouvent dans la merde. Donc c'est un autre truc intéressant, c'est que même quand tu penses qu'il y a une fenêtre de sortie, en vrai, il n'y en a pas. C'est quand même l'État qui gagne, c'est quand même le capital qui va gagner. Tu n'es pas vraiment quoi. Gagnant. Tu n'es jamais vraiment gagnant dans un monde de dystopie en général. Et c'est ça qui rend Full Night très intéressant. Au demeurant que l'intrigue va se développer, il va y avoir toute une intrigue que je vais peut-être, je ne sais pas si on en parle, mais on va taire parce qu'elle se développe après. Après, elle se développe vraiment beaucoup. Et c'est, et c'est ça qui est super intéressant, quoi. Et puis elle se développe vraiment dans des directions, quand on voit en fait tout ce qu'on nous propose au début,
bah en fait, on se dit pas forcément qu'on va aller dans ces directions qui sont un petit peu sordides. Enfin, on sait que c'est pas Jojo, hein, tu vois. Mais il y a vraiment des passages très très sordides, mais qui collent totalement à la thématique. Il y a l'ambiance, hein, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, tu vois, ouh, ah ouais, on est allé très loin. Ce qui est génial aussi, c'est que dans les premiers tomes, tu le suis sur quelques enquêtes, finalement. Tu dis, bon, elles ont... Ok, il y a un tome, un chapitre, une enquête, bon, ok... et on avance comme ça. Et en fait, tu te rends compte que tout est lié. Et c'est là que, c'est une fois que tu prends un peu de recul et que tu vois les liens entre les différents chapitres, entre les différentes enquêtes, tu te dis, attends, mais il y a un truc qui est beaucoup plus global. Beaucoup plus gros. Et il y a quelque chose d'hyper intéressant derrière. Et que c'est pour ça que là, on est sur un arc aussi avec Ivy, dont je ne parlerai pas plus pour ne pas spoiler, mais qui est finalement toujours un peu là. Et on pense qu'on en a fini, en fait pas vraiment, et donc c'est... Oh, j'adore, voilà. Ah, ouais. Mais c'est pareil, un autre passage, ça je le révèle, mais c'est déjà un peu abordé dès le début, c'est qu'on explique que la transformation en plante, elle va devenir de plus en plus douloureuse, un peu gore, il y a un concept de vraiment... Parce que c'est même pas vraiment que vous devenez une plante, c'est qu'il y a une plante en vous qui vous mange, quoi. Donc on voit à un moment des personnes, il reste quasiment plus rien, il reste une bouche qui parle dans un arbre, ce genre de choses, mais esthétiquement... Ça va encore à peu près, en fait. C'est très glauque, mais ça va. Et dans l'un des derniers volumes, on découvre que, en fait, la plupart des cas sont quand même assez gore, et donc on les met à l'écart de la ville pour pas que les gens voient, en fait, ce qui se passe réellement, que les gens sont en train de perdre les bras, qu'il y a de la chair en putréfaction, qu'il y a des pauvres qui sont en train de s'occuper des mourants, et tout. Et on se dit, ah ouais, d'accord, donc voilà. Et quelqu'un dit, pourquoi on fait ça là? Bah, c'est pour pas que les gens le voient dans la ville, parce que sinon, ça va trop rappeler la mort, ça va les mettre pas bien, et le but, c'est pas qu'ils pensent à la mort en voyant les plantes, quoi. Donc, parce que c'est vrai que nous, quand on commence l'histoire, au tout début, bah en fait, on voit des gens qui vont transflorer, et puis on voit le résultat final. On voit jamais l'étape entre quasi, les deux, quoi, tu vois. Tu vois encore des mecs qui ont encore un tout petit peu de... Tu le vois de... au tout début, ouais, la voilà. Première planche, la toute oui, première planche en fait, avec les enfants. Il est déjà... Ouais, mais il est déjà mort, enfin, et clairement, oui, il n'est ce pas... C'est ça. Il est... Moi, dans ma tête, il était fini. C'est vraiment une des premières images, tome 1, double mais page, c'est pas, impactant. C'est pas un arbre complet, si tu veux. C'est pas... Il c'est reste pas encore un peu arbre de, complet, de, mais d'humain. Il est fini. Moi, dans ma tête, il est fini parce qu'il ne peut plus ni réagir, ni même bouger. Enfin, donc, dans ma tête, c'était... Moi, c'était déjà un truc un peu def. Car même si on voit des petits pots de plantes après dans les bureaux, et puis les petites plantes toutes petites, hein, elles font bi 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 bi, ben je me disais, ah ben il y en a, ils étaient vachement petits. Ou alors ils ont rétréci, moi je me disais pas forcément... Non, c'est juste que c'est une étape intermédiaire entre pour passer de... Mais on sait que complètement sanctifié. Grâce au dernier volume en date de Full Night, qu'effectivement il y a ces fameuses étapes intermédiaires qui sont encore... plus violente visuellement que cette double page qui déjà a un impact. Et ça, on le cache au public dans le récit. La population n'est pas au courant comme de ça. Comme le lecteur, en fait. Ouais. De la même manière, en fait, même nous, en fait. Et là, on entre dans des confidences, dans des trucs un peu fous. Et donc, tous ces éléments font que Full Night est une dystopie de haute volée. Ah oui, clairement, non, mais... Ça y est, tu l'as eu. Non, mais non, en fait, j'ai envie de balancer des sauts d'eau de compliments, là, tu vois. J'ai envie de... Full Night, fabuleux, incroyable. Mérite. Oui, c'est une excellente série. C'est pour une première série, je trouve que c'est assez maîtrisé dans ses codes. L'auteur a clairement dit, c'est aussi un point commun avec beaucoup d'œuvres qu'on parle ce soir, qu'il est très fan de cinéma et de littérature. Et ça se sent. Il puise clairement dans les trucs, il en cite quelques-uns de temps en temps. On parlait de Soleil Vert, moi ça me faisait beaucoup penser à Soleil Vert et au traitement de comment tu recycles les humains, tout ça en restant très vague sur Soleil Vert et sur tout l'intérêt de Full Night. Mais tu peux penser aussi aux films comme Les Fils de l'Homme. Enfin, il y a vraiment des trucs de société où tu dis, oula, il n'y a plus trop d'espoir, tout coûte méga cher, ça a l'air d'être la merde partout, bon. Yes. Mais on va quand même voir des concertos de piano, tu vois, c'est... bon. Mais quand tu vois le prix du billet... Ah bah oui, non mais c'est ça. Tu sais, effectivement, c'est genre la haute société et la misère. Il y a l'air d'avoir les gens dans l'administration qui ont l'air d'avoir Il y a quand même une espèce de classe moyenne, mais elle est toujours à la limite de passer dans les bidonvilles. On voit d'ailleurs. Il y a des cas où on fait « Ah, bah pas de bol, finalement, ils ont basculé. » Et d'ailleurs, cette bascule, elle a lieu pourquoi? Parce qu'ils manifestent, en fait. Ils manifestent pour leurs droits, ils se font arrêter, on leur dit « Bah, vous payez la caution, ou sinon, vous allez dans les bidonvilles. » Tu fais « Ah !»
Ok, c'est donc une dictature. Voilà, c'est ce que je veux dire. Voilà, c'est la dictature, là, totalement. C'est totalement une dictature. Il y a Fantos21 sur le chat qui dit un exemple de classique, un exemple classique, pardon, de dystopie. Pour lui, c'est Metropolis. Alors, c'est. Ouais, tout à fait. C'est un film de Fritz Lang qui a été réadapté par Tezuka. Et qui est ressort. Enfin, ensuite, il y a eu le film de Rintaro. Parce que moi, je connais Metropolis. Le film d'animation de Rintaro, ouais, qui est basé sur le manga de Tezuka, qui était le second volet d'une trilogie, oui. Qui était Last World, Metropolis et Next World ou Future World, je ne me rappelle plus, je crois que c'est Next World. Rintaro, qui était en France il n'y a pas longtemps, mais peut-être il est encore en France, il a l'air d'avoir finalement eu un séjour assez long. Il a faisait des masterclass au Forum des Images, oui, encore c'est deux pour jours. Ça je me dis, peut-être qu'il a pas encore, peut-être qu'il est encore chez nous, en train de manger des petits croissants et tout. Peut-être, tu veux qu'on l'appelle pour parler de la dystopie. Bonjour, par rapport à la dystopie. Il est là. Bon, Rin-kun, tu viens Rin-kun, vraiment. C'est mon tomodachi. Ou Rin-chan, c'est comme tu veux. Rin-chan. Ah, c'était très mignon pour le coup, Rin-chan. Il y a Midin qui dit je pensais aussi à Soleil Vert en vous entendant parler. Bah écoute. Voilà. Pas pour rien que vous entendez bien. Non, mais Soleil Vert, c'est compliqué parce que Soleil Vert, si tu spoil ça, tu spoil tout l'intrigue, mais elle est très connue en même temps, l'intrigue de Soleil Vert. Mais globalement, il y a toute une histoire de qu'est-ce que tu fais de la surpopulation. Parce que c'est un autre questionnement de Full Night, en fait. C'est qu'on te dit aussi que ça sert à gérer l'excédent d'humains sur Terre, quoi. Un excédent, quoi. Déjà, c'est beaucoup. C'est rude, hein. En fait, je pense que quand on est très habitué à lire de la fiction, bah, on est habitué, tu vois, on se déconnecte humainement quand même beaucoup de certaines œuvres. Mais c'est vrai que quand tu réalises. C'est hyper rude. C'est surtout beaucoup de titres un peu comme ça. Souvent, on est dans une situation beaucoup plus extrême. Tu prends des œuvres de post-apo ou ce genre de choses, c'est déjà vraiment la merde, en fait. Là, c'est compliqué parce que ça s'approche beaucoup de notre société. Oui. Tu les vois, ils vont manger des ramen à un moment. Mais ça peut littéralement finir en post-apo, à peu de choses près. Oui, bien sûr. La révolution des antiflores. C'est genre... 8. Non, pas du tout. Ludivine très en avance qui nous embrouille littéralement. Mais tu parlais de post-apo et c'est parfait pour faire un peu une transition sur d'autres œuvres justement du catalogue de Helena qui sont aussi des post-apo. Alors je pense évidemment au plus iconique finalement du catalogue puisque c'est parmi les tout premiers titres à avoir été publiés, Akira. Ouais. Évidemment, le grand, le fabuleux Akira d'Otomo, qui sert un peu de porte-étendard, finalement. Il était là, et pour représenter finalement le manga, il y a très longtemps. Ça a été un des premiers à réussir à vraiment trouver son succès en France. Et donc Akira, alors lui, c'est de la science-fiction, mais c'est du post-apo, mais c'est effectivement aussi une dystopie. Alors je sais que c'est peut-être pas tout... Enfin si, c'est la même histoire, mais le manga et le film d'animation que tout le monde connaît, le manga est plus long, quoi. Le manga, le manga il va plus loin, il développe l'intrigue un peu plus. Mais après, oui, c'est la même base dans tous les cas. De toute manière. Oui, il n'y a pas de. Bah oui, de toute façon, c'est un peu compliqué. On pourrait faire une émission que sur Akira. Donc, oui, on peut rappeler qu'il y a eu un Anime Land consacré à Akira, ouais. Justement, et qu'il est fabuleux. Et que si vous êtes curieux, bon courage pour le trouver, car je crois qu'il n'est peut-être plus dispo. Mais il était incroyable ce numéro. Mais oui, bien sûr, l'œuvre d'Otomo, de toute façon, elle joue sur plein de codes et de genres littéraires variés. Et dans la dystopie dans Akira, tu l'as encore une fois, parce que comme on disait, l'histoire se passe 30 ans après une catastrophe nucléaire. Alors, au début, on dit que c'est ça, on comprend très très vite dès le premier volume que c'est plutôt une expérience qui a mal tourné d'enfants soldats, dont le fameux projet Akira, en fait. Hein, oui. Et que ça serait Akira qui aurait créé cette fameuse catastrophe nucléaire, en fait, qui n'en est pas une du tout. Et 30 ans après, on est dans une société qui est toujours à deux doigts d'être dans le post-apo, mais qui a survécu. On est donc dans Neo-Tokyo, c'est quand même bien en la 2019, merde. Voilà. Et c'est quand même bien la merde, mais il y a encore un semblant de civilisation, hein. C'est-à-dire qu'au début, Kaneda et Tetsuo, ils vont, enfin, Tetsuo, on le voit pas, mais en tout cas, dans le récit, on voit que Kaneda va au lycée, c'est un délinquant, avec sa bande, ils font les 400 coups, ils se battent contre d'autres voyous, mais très vite arrivent plein d'éléments qui sont effectivement de la dystopie, dont bah, la manipulation des infos. Tetsuo se fait un accident à cause de l'un des enfants du projet Akira, en fait, qui prend peur, en fait, quand la moto arrive et qu'il explose, et les militaires emportent Tetsuo initialement pour étouffer l'affaire, pour pas justement qu'on dise qu'il y a ce truc là, et en fait ils vont se rendre compte que les ondes cérébrales de Tetsuo, donc, qui est un des bikers de Kaneda, qui est pour ceux qui n'ont pas lu le manga, il a des ondes cérébrales qui sont très proches
de celle qu'avait Akira il y a 30 ans. Donc en fait, il décide de lui trifouiller le cerveau et de réveiller en lui des pouvoirs psychiques pour essayer de mettre à terme le projet Akira. Et ça a mal tourné, quoi. Et dans le récit, donc, t'as... L'œuvre, elle est globalement en deux parties, si on doit le résumer comme ça, les trois premiers volumes et les trois secondes, enfin les trois. Il y a six tomes dans la nouvelle édition chez Oui, Glénat, et les avec trois premiers incarnent un Akira globalement, Club tout à dans fait, le coffret. qui est un artbook, enfin qui est un artbook guidebook, Oui. mais qui n'est pas du coup un récit, mais en tout cas, la première partie, elle est vraiment de dystopie assez simple. La seconde, ça reste une dystopie, mais c'est beaucoup plus trouble, parce qu'en fait, dans la seconde, sans trop spoiler, il y a une catastrophe qui ramène un peu toutes les cartes. Le Japon se retrouve isolé, politiquement parlant, et sans trop en révéler, mais Tetsuo a décidé de créer une espèce d'empire un peu fantoche en mettant Akira, qu'il a réussi à trouver, comme nouvel empereur du nouveau grand empire japonais, qui est l'empire d'Akira, quoi. Et en fait, Tetsuo, il commence une répression assez solide, encore une fois, et un contrôle des gens. Et là, c'est plus compliqué parce qu'on est quand même vraiment plus dans du post-apo dans cette Ouais. partie-là. Mais il reste des éléments dystopiques où il y a encore une espèce de contrôle des infos. On met une espèce d'Akira qui littéralement ne bouge pas, quoi. Donc, et qui incarne une espèce de dieu sauveur pour les habitants qui sont un peu perdus et un peu dans la merde, hein, clairement. Oui. Donc, mais oui, bien sûr. Dans l'œuvre de Otomo, on peut trouver énormément de réflexions sur comment est-ce que petit à petit l'État peut nous contrôler. On y voit aussi beaucoup de cyberpunk, on y voit aussi beaucoup. Enfin, c'est un brassage de thématiques et de genres qui est de toute façon assez absolu. De toute façon, Akira, c'est, je pense, à lire en vrai, hein, Ah bah. peu importe nos goûts, je pense que ça reste un indispensable en général dans la lecture, quoi. Je suis assez d'accord là-dessus. Les intrigues politiques, est-ce que c'est quelque chose de vraiment totalement lié à la dystopie du coup? Puisque si l'État nous contrôle, il y a forcément Oui, une cohésion. je pense que oui, d'une certaine manière. Après, tout dépend de ce que tu appelles intrigue politique. C'est pas non plus House of Cards, tu vois. Il y a Ah. pas. Ben, on le voit dans Full Knight, Oui, ouais. dans le Full Knight ou dans un autre manga dont on va parler, je pense, dans pas très longtemps, que je vois derrière toi, qui est Lequel? un shoujo manga. Ah oui, là, celui-là, que j'avais pas Il y a de la vu. politique qui rentre en jeu, mais elle n'est pas le sujet principal non plus de l'intrigue. C'est qu'elle sert de ressort narratif, en fait. C'est les différentes magouilles politiques qui font avancer l'intrigue des héros. En fait, c'est les retournements divers et variés qui font ça, mais je ne pense pas que quand tu lis Full Knight, t'es pas sur un débat politique sans fin. Tu vois, t'es sur de l'action, t'es sur de la réflexion, t'es sur de la philosophie, t'as un peu d'histoire d'amour, t'as un peu de comédie, t'as plein de choses qui se brassent dedans, tu vois. Et justement, bah, tu en parlais, donc je le récupère. Donc la transition est peut-être un peu étrange, hein, parce que Hop pour le là. coup, entre Akira et là, Akira Shoujo. il y a, Allez hop. y a limite un monde, mais Merci. effectivement, en fait, dans le catalogue de Glénat, il y a ce titre. Alors, du coup, c'était pas pratique, mais je le mets comme ça. Attendez, Tu non, tiens. le micro est là, donc plutôt ici, c'est plus sympa. Oui. En fait, Library Wars, Love and War. Bon, moi, ça m'a rappelé un sous-titre d'une autre série, Ah. j'étais morte de rire. Ah bon, là aussi, bah, décidément, la guerre, elle est partout. Mais Library Wars, c'est... Alors, je sais pourquoi je suis passée à côté, parce que les gens vont pas comprendre, genre, quoi, Caroline, tu n'as jamais lu, mais comment c'est Quoi, possible? Caroline, tu n'as jamais lu? Eh Mais bien, comment? figurez-vous qu'au moment de sa parution en France, Oh là là, je sais ce que tu vas dire. je n'étais pas là, Je c'est n'étais pas là, ça? j'étais au Japon. Bah, c'était presque ça. C'est pas Je moi. n'étais pas là. Parce qu'en fait, j'avais un enfant à m'occuper et j'étais enceinte. Et en fait, c'est vraiment la période où je n'ai plus du tout consommé de manga. Et après, bah, du coup, une fois que la série était bien avancée, bah, je ne me suis pas forcément penchée dessus parce que je ne comprenais pas vraiment, je vous jure, quand je me suis plongée dans cette série, je ne comprenais pas pourquoi jamais je l'avais lue. Alors qu'en fait, elle est juste génialissime et qu'elle correspond totalement à mes goûts aussi. Et c'est pas de la SF, c'est pas du post-apo. Mais effectivement, ici, on est dans cette dystopie car on est... dans un Japon où il y a une espèce de division finalement entre l'État et d'autres factions, puisque là, vraiment, ça m'est pensé à 1984, tu vois, c'est les livres sont là pour finalement détruire ce qu'il y a dans... Fahrenheit. Mais oui, Ah, c'est Fahrenheit! dans 84 aussi, Mais il y a aussi l'aspect t'as de du la livre. censure dans les livres, dans 84, mais c'est dans Fahrenheit. C'est surtout Fahrenheit. C'est en Fahrenheit où on brûle les livres. Oui. Ouais. Ah bon, c'est Fahrenheit que j'ai vu. D'où les degrés de degré Fahrenheit pour C'est le, la c'est le, chaleur ça des... serait
C'est ce qu'il a, il a expliqué qu'il avait demandé. Personne n'avait la réponse exacte. Ah ouais? À combien brûle un livre exactement? Il a dit en interview, il semblerait que à l'époque, personne ne lui a donné une réponse exacte et il avait appelé, je crois, des pompiers ou je sais pas qui a dit à combien ça brûle les livres. On lui a donné ce truc et il a fait allez, ça va être ça le titre et puis voilà. Sympa. Dis voilà. Bien les pompiers arriver avec leur thermomètre. On nous a demandé, alors allons-y. On doit sacrifier un livre, excusez-nous, on va le faire, on va le faire. Mais pour le coup, ici, on ne voit pas forcément des livres qui brûlent, mais c'est l'idée. C'est l'idée. En fait, les livres sont réquisitionnés par le gouvernement, par une faction qui s'appelle ASA. J'ai déjà oublié ce que c'était les ASA, mais c'est ASA. Et en fait, ils sont là. C'est le contrôle des médias, je ne sais plus, un truc comme ça. C'est globalement un contrôle de motion de censure. Quoi. Enfin, c'est voilà, le gouvernement qui décide de réquisitionner pardon, dans toutes les librairies, bibliothèques, etc., tous les livres qui ne sont pas dans leur standard, qu'ils considèrent comme mauvais pour la progéniture. Et je me suis dit, ouais, franchement, en vrai, à tout instant, il peut se passer un truc comme ça chez nous. Enfin, moi, ça m'a fait vachement peur, alors que c'est pas un livre qui fait peur. C'est pas une histoire qui fait peur, tu vois. Bah, t'as déjà la censure dans certains pays. Bah, il y a déjà des livres qui sont justement plus disponibles, qui ne sont pas accessibles dans des écoles, qui sont... Mais t'as ça aux États-Unis, t'as ça aussi en France. Du coup, je me dis que quand même, on est globalement dans quelque chose d'assez libre encore et qu'on n'en est pas à ce point-là. Mais dans cette histoire, ce qui est... Oui, on n'en est pas à ce point-là. Alors, littéralement, ça m'a fait bizarre quand j'ai commencé cette histoire, qui donc n'est pas à l'origine même un manga, hein, c'est un light novel, c'est un roman. Et donc, c'est vraiment l'autrice qui a créé cette histoire dans le début des années 2000, je ne sais plus quelle année exactement, mais je crois que le premier tome du manga est sorti genre en 2008 ou quelque chose comme ça. Ah oui, qui est basé sur le light novel du coup. Mais oui, et basé sur le light novel, a dû être sorti un petit peu avant. Le light novel est sorti au milieu des années 2000 à peu près de mémoire, de 2005 ou 2007 je crois, quelque chose comme ça. Voilà, c'est dans ces eaux-là, donc ça commence à dater finalement. Mais en fait, quand on le lit aujourd'hui en 2024, on n'a pas l'impression d'être dans un truc daté ou vieux, à part... l'ambiance générale dans la narration qui rappelle énormément plein de titres sortis à la même époque et qui sont super agréables. Moi, j'ai l'impression de retrouver un petit canapé confortable que j'ai connu quand j'étais étudiante. Et du coup, vraiment me plonger dans cette histoire, c'était du confort, c'était cocooning en fait. C'était trop bien. Mais en fait, j'aime beaucoup tout ce que ça dépeint, tout ce que ça dénonce aussi également. Et il y a des... C'est con, mais il y a des petits comportements, en fait, entre les protagonistes que j'ai trouvé intéressants. Genre, aujourd'hui, on est en 2024, il y a des points sur lesquels je fais attention quand je lis une œuvre. Par exemple, s'il y a quelqu'un en chaise roulante, je vais tout de suite penser « Ah, est-ce que, du coup, au niveau du validisme, comment ça se passe dans la représentation sur ce passage ?» Et tout de suite, je vais me mettre à penser par rapport à tout ce que j'ai vu, des threads sur les réseaux sociaux, sur ce qui est publié aujourd'hui. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a un passage, par exemple, où il y a un personnage qui est en chaise roulante au début de l'histoire. Et il est tout le temps. Il reste en fauteuil. Non, mais c'est pour dire que c'est au début de l'histoire que ce petit instant se produit. Et en fait, tout simplement, notre héroïne qui est pleine de bonté va avoir envie d'aider cette personne, de dire « Oh, bon, une personne en chaise roulante, je vais y aller. » Et la personne lui dit « Bah non, non, mais enfin, vous pouvez me laisser tranquille, j'ai pas besoin de votre aide, tout va bien. » Et en fait, je me suis dit, ah, bah, c'est marrant parce que du coup, on n'a pas forcément cette représentation. Enfin, je n'avais pas l'idée de cette représentation par le passé. Alors qu'en fait, aujourd'hui, justement, on essaye d'expliquer et d'éduquer les gens sur le fait que bah, on n'attrape pas les chaises roulantes des gens comme ça. Tu vois, on essaye de faire attention. Et du coup, je me suis dit, il y a des petits détails en fait qui sont super intéressants, même sur une œuvre qui est quand même très datée, mais ça ne se ressent pas. Ça se ressent pas ni dans le dessin est toujours aussi joli, il est toujours aussi beau, et cette guerre des libraires, enfin, imaginez, vous êtes bibliothécaire, et vous avez un énorme flingue, une espèce de grosse mitraillette. Oui, parce qu'on l'a pas dit que c'est du paramilitaire en fait dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a des capitaines, des lieutenants, des sergents, et tout. Ce qui se passe surtout, c'est que dans l'histoire, l'État décide de censurer les livres et tous les ouvrages, donc les revues, les magazines, tout ce que vous voulez. Et même plus que ça, parce que les bibliothèques au Japon, elles servent aussi à une limite de médiathèque, parce qu'on peut emprunter des DVD, des jeux. Mmh. Et on voit un flashback dans le tome 2 ou 3 où ils ont brûlé aussi les DVD, ce genre de choses, en fait. Oui, ils ont cramé une bibliothèque avec tout ce qu'il y avait dedans, quoi. C'est le fameux incident Dino. Exactement, tout à fait. C'est l'incident Dino. D'apostrophe I-N-O.
Mais en fait, les bibliothèques... Il y a des dinosaures qui détruisent les médiathèques, mais c'est génial. C'est la dystopie préhistorique. En fait, surtout, c'est voilà, l'État commence cette espèce de mouvement de censure nationale, et c'est les préfectures qui s'opposent à ça. Et à partir de là, elles arrivent à rendre légal le fait que les bibliothèques soient des sanctuaires, globalement, pour la culture, et qui donc a un droit de veto à cette motion de censure, en fait, et surtout qui a le droit de se défendre face à cette branche de l'État qui est pour la répression et la censure. Et donc c'est représenté, je crois, dans le tome 2 ou 3, on montre que globalement, l'État, ils attaquent, et les librairies, elles ont des flingues et des boucliers, mais c'est plutôt pour défendre les bibliothèques. Hors de la bibliothèque, normalement, elles n'ont pas le droit de mais tirer. Mais ils ne vont pas attaquer, ce n'est pas eux qui initient les attaques, ils sont là, effectivement... En général, non. En tout cas, quand le récit commence, en tout cas, c'est ça. C'est, oui. Parce que l'histoire, elle est sur 15 volumes, et qu'il va y avoir plein de rebondissements, plein de trucs comme ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que... C'est un manga shoujo, comme tu as dit, et ça joue justement de ces archétypes de shoujo un peu à l'ancienne. C'est-à-dire que ça commence un peu comme une romance, et moi je me suis dit, ok, donc c'est une romance dans un univers dystopique, pas de soucis. Et paramilitaire. Et voilà, je me suis dit, ouais, pas de soucis. Et donc je me suis dit, bon, clairement, l'autrice, elle adapte un peu, et en fait, je trouve que ça se marie bien au final, parce que la romance de l'héroïne, elle est en accord avec le fait qu'elle est un peu ingénue dans ce monde-là. C'est-à-dire que l'histoire dont tu parles avec le monsieur en fauteuil roulant, oui. Plus qu'une histoire de fauteuil roulant ou pas, ce que lui dit le monsieur, il dit, mais en tant qu'employé de bibliothèque, vous avez l'obligation de me proposer votre aide, mais j'ai aussi le droit de refuser. J'ai le droit de refuser, oui. C'est surtout ça. Et en fait, ce qu'il lui apprend, c'est peu importe que ce soit en fauteuil ou pas, c'est que si on ne veut pas d'aide, on ne veut pas d'aide, parce que l'une des règles de la bibliothèque, c'est que les usagers sont libres. On les protège. Il y a tout un moment, il y a une histoire de censure aussi. Il y a un adolescent qui a tué des gens et on veut avoir accès à son historique de bibliothèque pour savoir ce qu'il a vu. Et le patron, le commandant en chef des librairies de, je crois, du Kanto, ou en tout cas de là où ils sont, leur dit non, je ne vous donnerai pas. Fait quoi, mais vous vous opposez à nous donner alors qu'il a tué des gens? Il fait non, mais je trouve ça horrible, et en tant que citoyen, je vous aide, mais le code des librairies, c'est on protège les lectures et l'historique indépendamment, tout le monde. De notre truc, et il dit on va pas adapter la loi en fonction de si on considère qu'il est gentil ou méchant ou quoi, ça marche pas comme ça, parce que sinon on bafoue la loi quand on veut, en fait, et une loi n'est plus vraiment une loi, quoi. Ce qui est justement une vraie réflexion sur ce qu'est une dystopie, justement, à ce niveau-là, en fait. Donc c'est ça qui rend le truc intéressant. Et ce qui est un autre truc intéressant, c'est qu'on a un autre shoujo qui est plus Josei, dont on va parler un petit peu après, qui est Jean Bride, et qui lui aussi met aussi beaucoup au début, on pourrait croire, la romance, ou en tout cas les sentiments en avant. Et je trouve ça intéressant toujours, c'est qu'on voit que dès que c'est des femmes, elles n'ont aucune honte à aborder les sentiments, en fait. C'est-à-dire que souvent... C'est plus dans les émotions que dans les actions, ouais, réelles. Ouais, un petit peu, mais tu vois que... que ce soit Full Night, Akira, ou même on va parler de Blame à un moment. Oui, après, normalement, on aborde Blame. C'est beaucoup plus âpre. Les femmes, en général, quand elles écrivent, je pense... Bah, c'est beaucoup plus je trouve que c'est beaucoup plus visuellement, graphiquement violent, souvent. Enfin, c'est plus rapidement. Là, parce qu'on est sur des... Enfin, en tout cas, sur les titres qui sont... Sur les titres de notre sélection, sur les titres, ouais, qui sont choisis là, pour le coup. L'une des différences que moi, j'ai constatées, c'est aussi ça. Parce que, par exemple, dans Library Wars, il va se passer des choses. Il va y avoir des combats, il va y avoir des coups de feu, il va y bien avoir... Bien sûr, non, mais ça enlève mais... pas ça. Mais visuellement, en termes d'impact graphique... Oui, parce que ça reste un shoujo manga des années 2000, et il faut que, en fait, elle a écrit par rapport à son magazine et par rapport à son lectorat. Oui, parce que l'autrice magazine, de Jean Bright dit aussi, oui, d'ailleurs, elle a dit qu'elle a pas de problème et qu'elle a écrit pour son lectorat. Elle a pensé à son lectorat, qui sont des c'est femmes. C'est Phil Young, il me semble. Ouais, donc, ce sont des jeunes ça, femmes, c'est globalement. C'est un magazine plutôt pour femmes adultes. Mais en vrai, le récit est super intéressant, parce que les histoires des personnages sont plutôt sympas. J'aime beaucoup, on aime beaucoup, je pense qu'on en a parlé vite fait, mais la relation entre l'héroïne et son chef. Ouais. Non, ouais, ouais, pas ouais, trop ouais. Leur... Si. Ouais, je suis pas trop d'accord. Si. Ouais, j'ai un doute, continue. J'ai un doute, dis-moi ce que t'aimes bien dedans, Thunder, et je dirais si je vais dedans ou pas. Non, enfin, le truc que je au début, quand j'ai tout commencé, c'était vraiment genre les trois premières pages de Library Wars, le truc qui est un petit peu presque extrême, c'est que on nous dit tout... Enfin, c'est comme si c'était écrit noir sur blanc. Voilà le couple principal de l'histoire, point. Mais
comment dire, c'est un couple qui va jamais être vraiment, enfin sur le début de l'histoire évidemment, on ne parle que du début, qui va pas devenir un couple tout de suite et qui va pas forcément. Ah oui, non, bien sûr. En fait, il y a même un truc qui m'a un peu perturbée parce que je trouve que c'est très lié à cette période, c'est lié aux années 2000. Mm-hmm. C'est vraiment littéralement le fait de se taper dessus tout le temps. Maintenant, dans les histoires, ils se tapent plus comme ça parce que maintenant on a conscience de la violence, tu vois. Mais là, c'est du gag. Ah oui, ce que j'allais dire, parce qu'ils se tapent pas. Voilà, c'est non, pas, ils se tapent dessus, mais c'est attends, du gag, c'est genre. Ouais, le moment où il lui fout un cocard, c'était violent. Bah, à un moment, il lui fout une énorme claque. Mais hein. Non, mais d'accord, mais c'est. Mais après, il y a le côté militaire. Parce déjà, fait, voilà. Déjà, il fait la même chose. Il fait la même chose, par exemple, à Tezuka, qui est une recrue, une autre recrue qui apparaît dans le récit. Et qui est un homme. Qui est un homme, effectivement. Il fait la même chose. Mais surtout, comme tu le dis, la violence avec elle, elle est plutôt montrée sous du gag, en fait, dans le sens qu'il se chamaille de manière plus, quoi. Ah oui, c'était dessus. Enfin, elle a tout le temps des petites bosses dans les, oui, dans, enfin, dans les versions SD, là. Mais les le premier, premier oh là là, il m'en porte un peu dessus, le premier chapitre, elle essaye de foutre son commandant à terre parce qu'elle a la rage contre lui, parce elle qu'il lui fait faire des ponts. Elle lui fout un kick de ouais, fou voilà. J'étais en mode ah ok, elle l'a maîtrisé de fou, et après il est revenu à la charge. Et il y a que entre deux que ça se passe comme ça d'ailleurs, hein. C'est-à-dire que il y a pas de violence montrée spécialement, c'est vraiment un truc qui est propre à ces deux personnages-là, principalement en termes de running gag rigolo de violence, quoi. Je trouve que le truc c'est très fort sur un point d'ailleurs dans leur relation, c'est que vraiment il est globalement un peu exécrable avec elle, mais dès qu'on comprend pourquoi il a été exécrable. Oui. Notre cœur est attendri. Comment est-ce qu'elle est trop forte? Mais surtout, il est exécrable, et c'est là où ça rejoint notre thématique, c'est que il y a beau avoir de la romance dans le récit, Love and War, hein, en tout cas, il y a War dedans, et il y a quand même une guerre civile qui est vraiment en train de monter. Oui, parce que c'est pas l'amour, c'est pas la guerre de l'amour. Non. Là, c'est pas, il y a vraiment la guerre. Et en même temps, les gens se disent, ah, mais si on peut être amoureux, c'est bien. Mais il y a la guerre, effectivement. C'est-à-dire que voilà, nous, on voit la romance est en train de naître entre les personnages, mais lui, s'il est aussi dur avec elle, c'est il le dit, c'est qu'il attend beaucoup d'elle parce qu'il a vu qu'elle était quelqu'un de passionné et qui voulait vraiment sauver les livres, aider les gens, aider la culture, aider la liberté d'expression. Mais au détriment de sa propre vie, elle fait un peu n'importe quoi, elle a beau être très athlétique, elle est, en termes d'entraînement militaire, elle est à la masse, il y a plein de choses qui vont pas, et en fait, il est dur avec elle parce qu'il veut la former en tant que soldat, et pour qu'elle puisse être indépendante et tenir les bons trucs. Il y a un moment, elle va s'énerver contre la presse sur quelque chose, il l'empêche de parler, enfin, il y a plein de trucs où il dit, voilà, calme-toi, faut pas qu'on montre cette image-là, parce que sinon on va faire mauvaise impression, et tout, donc... En vrai, pour les gens qui seraient pas trop fans de shoujo de romance, c'est pas que ça, en fait. Je pense que le récit, il a cette faculté à bien mêler... Tu t'adoucis un peu avec la romance, et là, d'un coup, tu reviens dans l'intrigue politique, dans toutes les... Ouais, les connexions qui se font avec les différents personnages. Elle a une amie au début, enfin, dès le début, elle a sa camarade de classe qui est l'archétype de la... Oui, de la belle femme un peu adepte de potin, de ragot, qui aime un peu faire minauder devant les beaux soldats. Tous les soldats sont en train de baver. Il se trouve que le personnage évolue dès le volume 2 ou 3. On découvre que voilà, derrière cette espèce d'apparence, on pourrait dire à l'époque un peu de nunuche, en fait elle est plutôt intelligente, elle est très très maligne, elle comprend beaucoup de choses, et elle est à fond dans justement elle aussi, la lutte et la sauvegarde des livres, elle n'est pas soldate, elle est bibliothécaire. Ouais, Shibasaki. Pour autant, elle n'hésite pas à enfreindre les lois pour protéger les livres, elle n'hésite pas plusieurs fois à montrer que c'est pas parce qu'elle ne tient pas d'armes qu'elle ne peut pas se battre à sa manière, donc en fait... Le récit arrive souvent à ramener les personnages comme ça. Il y a un autre adjuvant, un autre chef. Le blond, c'est qui est tout gentil, tout mignon. Il montre des faces sombres dès le début, par exemple. Quand vous commencez le récit, vous dites « Ah oui, bon, lui, ça va être le rigolo avec les yeux toujours un peu fermés et machin. Ouais. » De trois moments, tu dis « Ok, lui, il a peut-être un côté un peu sombre. Il cache un truc. Il est, lui, un peu dark, lui, clairement. J'ai essayé de retrouver... Ah, Komaki. Voilà, j'étais là. Le lieutenant Komaki, ouais. Alors lui, j'attends encore de découvrir effectivement son passif. Parce que tu sens qu'il y a un truc. Tu sens qu'il y a un truc. Il y a quelque chose de caché. On sait pas quoi encore exactement, mais... En fait, le truc qui est vraiment... je m'en veux tellement de pas avoir connu avant, c'est que tous les personnages, au fur et à mesure qu'on les découvre, ils sont de plus en plus intéressants. Oui, au fur et à mesure qu'ils se développent et qu'ils prennent place, je trouvais que le premier tome sur la première moitié, il était un peu dense parce qu'il y a beaucoup d'informations à intégrer. Il faut accepter un univers. Voilà, il faut quand même expliquer les règles de l'univers très vite. Les factions,
comment ça se passe, etc. Ok, c'est ça les règles ici. Enfin, le temps d'intégrer tout ça, qui est un petit peu, voilà, un peu dense à faire entrer, alors que quand tu es habitué, par exemple, à lire un truc ou à la fac ou au lycée, bah, du coup, tu as déjà les codes, entre guillemets. Là, il y a pas mal d'éléments à intégrer avant de vraiment pouvoir se plonger dans leur histoire et les suivre. Et donc, ça, c'était vraiment, on va dire, le truc un peu plus compliqué. Mais une fois qu'on a bien tout ça, c'est vraiment hyper fluide et l'histoire a vraiment bien. Et je suis triste car j'ai découvert en lisant ça qu'il existait des spin-offs au Japon. Oui, mais alors ce qui est rigolo, l'anecdote que j'ai lue, alors, je sais pas pourquoi en revanche ça a peu tenu, mais il y a, en même temps il y avait un shonen aussi qui était sorti, une adaptation de Library Wars, le light novel en shonen, qui n'a pas marché du tout en fait. Au Japon ? Ah bah oui, au Japon. D'accord, j'ai pas vu que c'était sorti. Par contre, j'ai vu que c'était effectivement le roman un grand succès, ouais. Puisqu'il y a eu adaptation en film, adaptation en drama, et puis donc les différents spin-offs qui ont suivi de Library Wars, avec du coup, je crois, la même dessinatrice qui a repris la même manga. Bah, parce que le manga était un vrai succès aussi, et parce que je pense qu'elle a bien, j'ai pas lu le roman d'origine, mais je pense qu'elle a quand même bien cerné les relations entre les personnages et l'intérêt en fait de comment le lier face à l'intrigue. Là, c'est pour ça que je disais que je pense que souvent les femmes dans les shoujo manga, les gens qui trouvent que c'est gnangnang ou quoi, je pense que ils ont ou des problèmes avec leurs sentiments personnels ou qu'ils ont des problèmes avec ce type de lecture qui t'impose d'avoir des réflexions sur les feelings, enfin voilà, le concept même de sentiments. Bien sûr. C'est, je pense que la version shoujo a peut-être bien mieux capté les tensions entre les personnages, que ça soit amoureuse, amicale ou l'inimité, que peut-être le shonen, mais après je ne l'ai pas lu donc j'extrapole beaucoup, mais pour que le shoujo ait plus marché que le shonen, il doit y avoir une raison et pas que juste parce que l'un c'est de la romance et l'autre c'est peut-être plus bagarre. Je ne peux pas croire que ça se stoppe à ça, quoi, en fait, c'est ça le truc. En tout cas, tu m'apprends qu'il y avait une version shoujo. J'ai lu qu'il y en a une, après j'ai vu qu'elle a duré très peu de tomes, je crois qu'elle a fait 3 tomes, quelque chose comme ça. Ah oui, d'accord, alors là, on est sur peut-être 15 volumes. Peut-être c'était prévu qu'en 3 tomes, hein. Peut-être aussi, ouais. C'est étonnant de se dire qu'ils ont montant. Bon, après, ça corrobore le fait qu'il y a des séries au Japon, il y a plusieurs séries en manga qui existent, on a des exemples en France d'ailleurs actuellement, mais ça reste quelque chose que les gens ont du mal à comprendre, les gens se disent quoi ? Comment ? Il y a eu plusieurs séries en manga pour l'adaptation de ce roman, et ça reste quelque chose d'étonnant, mais c'est là que tu vois, tu me fais prendre conscience que c'est quelque chose finalement d'assez, peut-être pas courant, mais que ça se fait vraiment au Japon, et c'est pas des cas exceptionnels, quoi. Ah non, comme dit, si ça marche, pourquoi se priver ? Pourquoi se priver alors qu'ils essaient de permettre de faire découvrir l'histoire sous des façons, sous des angles différents, ouais, à chaque fois, donc que ce soit de point de vue d'un personnage, ou dans le passé d'un autre, ou enfin... En tout cas, c'est une dystopie, ça c'est clair. C'est dans le thème. C'était le thème. Pas comme Afterblood. Ah, il l'a dit. Mais non, mais moi je croyais au début. Mais c'est bon. On a eu plein d'explications, on a donné des tonnes d'exemples. Maintenant j'ai compris. Là, quand je vous parle d'After God, c'est juste parce que j'aime remuer le couteau dans ma plaie. Dans ta plaie. Tu as envie de parler de la production et voilà. Library Wars, c'est une dystopie. Moi je trouve ça intéressant parce que souvent les dystopies c'est quand même quelque chose d'assez sombre en plus. Là, l'univers, le fond reste sombre, comme on dit, il y a quand même des séquences d'attaques militaires, on fait comprendre qu'il y a vraiment une répression de la culture et une censure d'État assez compliquée. Mais t'as quand même de la légèreté. C'est quand même plus léger que Full Night, où clairement Full Night c'est le spleen assez constant, bien qu'il y ait des personnages qui sont super attachants spleen, et qu'on aime. Spleen, c'est un bon terme, le spleen. Ah, oui, je l'ai pas utilisé depuis le lycée, je crois. Baudelaire. Oui, non, mais littéralement, c'est dans le cadre de mes études. Bah, écoute. c'est clair que c'est très différent. Mais c'est pour ça que j'ai trouvé hyper intéressant le thème de l'émission d'aujourd'hui, parce qu'en fait, les différentes œuvres qu'on abordait était quand même assez opposée sur certains points pour certaines, et du coup, enfin moi, Library Wars, déjà j'étais très contente de le découvrir et de me dire là j'ai un sujet pour aller vraiment me plonger à l'intérieur. Il y a plein de gens sur les réseaux sociaux, quand j'ai dit qu'on allait en parler, ils étaient en mode ce serait bien parce que ça fait longtemps, et puis en fait apparemment c'est une série qui est quand même assez appréciée dans la commu shoujo, en tout cas les gens ont l'air de l'aimer, même au-delà, parce qu'il y a eu un animé qui a fait beaucoup de bruit à la fin des années 2000. C'est vrai, parce que j'ai vu qu'il y avait eu un animé, mais jamais j'en avais entendu parler.
parler non plus. Parce que peut-être qu'à l'époque, il n'est pas sorti très légalement, parce que c'était voilà, encore, ce que c'était encore un Far West. Crunchyroll était là. Voilà, bah non, c'est à la fin, Crunchyroll des, était à la fin là. Des années 2000, non, pas bon, encore. C'est compliqué. Mais non, 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 pas compte. Non, 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 fin des années 2000, non, pas du tout, ah, effectivement. Non, non, pas du tout. Mais du coup, je suis un petit peu triste de me dire, ah, mais il y a tous ces trucs-là qui sont sortis. Et comment je fais pour les choper? Parce que moi, je vais appeler Crunchyroll, je vais dire Hello, Mr. Crunchyroll from United States. Could oh, you yes, please? Yes, it's Caroline Segarra. Yeah, I know you. From the Mochi Kikurai. Yeah, I know this. The Mochi Kikurai. Could you please Library Wars? Oh, yeah, of course. I love this. It's my fabulous. Wonderful, yeah, wonderful. Okay. Thank you very much. Voilà, aussi parfait. Simple que ça. Ah, bah aussi oui, ça marche toujours ça. Comme ça, de toute façon. Donc, non, parce que du coup, l'animé, en plus, le chara-design et tout, il avait l'air un peu sympa. Ça me rappelait. Comment il s'appelle? Il y a un. Alors moi j'ai connu il y a très longtemps, quand j'étais beaucoup plus jeune, Pat Labor, je pense que tu connais aussi, oui. Voilà, c'est très connu. Ça n'a rien à voir avec les Library Wars, non. Mais en fait quand moi j'ai vu... Non mais, où est-ce qu'on va? Ouais, ça a rien d'où l'Erasmoquette de tout à l'heure. Enfin, je commence à comprendre. Ça part dans tous les sens. Non, mais... quand j'ai Ascender, vu tu te rappelles de ce truc, c'était Yu-Gi-Oh! Bon, tu vois, ils ont... bon, ça n'a rien à voir, mais tu vois, ils avaient des costumes et... Je crois qu'il y a un livre à un moment. Pat Labor, c'est en fait c'est une série quand même aussi avec un côté un peu paramilitaire. On est avec des robots et tout, mais ouais. Non mais parce qu'en fait quand moi j'ai regardé quand j'étais très jeune, parce que j'ai regardé l'animé. Oui. J'ai regardé l'animé. Bah en fait l'héroïne me faisait penser à l'héroïne de Pat Labor en fait, juste ça. Et du coup quand j'ai vu qu'il y avait une adaptation animée, je me suis juste posé la question de est-ce que du coup l'animé va ressembler à ce que j'ai connu de Pat Labor, bon, les machines en moins évidemment. Ouais. Bon après je tire un peu. Non mais elles ont la même coupe de cheveux presque. Ouais, ah, ça tient qu'à ça. Parce que la couleur des cheveux dans l'animé en plus c'est pas la même que sur le manga, elle se rapproche celle de l'héroïne de Pat Labor. Ok. Les gens vont se dire vous allez un peu loin dans la dystopie. Oui non là ça n'a plus aucun rapport. Mais c'est vraiment la vibe que j'ai eue parce que bah, j'ai pas regardé du tout l'animé, mais toi apparemment tu l'avais vu. Non, je t'ai pas dit ça, j'ai dit qu'il était très célèbre et très connu. Il était très connu. Parce que tu dis, c'est la Commu Shoujo comme jeu, mais il n'y a pas que la Commu Shoujo. La Library Wars, c'est un light novel qui a été connu. Il est sorti, bah, Glénal l'a sorti, fut une époque il y a très longtemps. Il est sorti en 2013 le manga. Oui. Et ils ont sorti le roman en même temps. Bah voilà. Incroyable. Il y a donc 11 ans, c'était il y a très longtemps hier. Pour moi. Écoute, c'était hier. C'était hier. Et l'animé a eu un grand succès. Moi j'en ai parlé récemment que j'allais faire l'émission avec toi. Et je parlais de Library Wars et j'ai un ami qui a un mec qui m'a dit ah ouais, je me rappelle de l'animé, trop bien et tout. Donc, oh. C'est pas forcément lié à une Commu Shoujo ou quoi, parce que lui il est pas du tout Commu Shoujo, il s'en fiche, il est dans les comics, donc il est vraiment pas dans le manga du tout, mais il se rappelle de cet animé là. Il regarde des animés, il se rappelait de Library Wars qu'il avait vu à l'époque. Mais pas légalement, effectivement, puisqu'il n'y a pas Crunchyroll. Bref. Bah, écoute, on peut biper tout ça ou il y a pas un bip quand faut, on... Ben, faut pas être focus non plus. Il y a une époque, mais c'était non, le Far West, oui, quoi. Bah aujourd'hui, il y a des moyens légaux. Bah, c'est ça, voilà. Tout, bah, et c'est ça qu'il faut mettre en c'est œuvre. C'est bien pour ça que je voulais contacter Monsieur le président. Monsieur Crunchyroll. United States. Yeah, yeah. Parce que j'aimerais trop avoir l'animé des Library Wars. En fait, ouais. Maintenant que je l'ai découvert, bah, j'aimerais tout, tu vois. Je me dis, ah, mais c'était il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans à peu près qu'il est sorti. Mais en fait, c'est vraiment hyper bien. Moi, je vais aussi faire du camping devant le bureau de Satoko parce que je veux les spin-offs. Je sais que ça ne portera peut-être pas ses fruits. Hein, mais là, vraiment, c'est trop bien, en fait, Library Wars. Et je comprends maintenant l'engouement des personnes qui m'ont répondu sur les réseaux sociaux et qui m'envoyaient des petits cœurs à base de oui, c'est trop bien Library Wars. Et je comprends, mais oui, évidemment, mais je comprends complètement. C'est vraiment très bien. Désolé, on a fait un gros morceau sur Library Wars, mais c'est parce que c'était vraiment ma très grosse mais découverte. Il est moins connu maintenant, bah, c'est vrai. Oui. Il faut le mettre en avant parce qu'il est moins connu. Exactement. Oui, et vraiment, il est très très cool. Enfin, on passe à côté quand même d'une sacrée pépite en termes de lecture, car en plus, c'est hyper agréable à lire. Après, je me rends pas compte, moi, je fais partie d'une génération où vraiment là-dedans, quand je me replonge là-dedans, je retrouve des codes auxquels je suis déjà très habituée à une certaine période de ma vie. Je me rends pas trop compte si quelqu'un qui n'a jamais trop consommé de manga, par exemple, se plonge là-dedans. Non, globalement, quand même, il est très agréable à lire. Non, en vrai, de manière générale, pour finir très, très ça, je pense que si tu n'as jamais lu de manga, ça reste un bon premier manga dans le sens que l'intrigue, elle a quand même un pitch assez fort, je pense. Oui. L'idée de cette dystopie où les livres sont interdits et les bibliothèques ont créé une armée parallèle à l'armée pour défendre ça. Shoujo, pas shoujo, on s'en fout. C'est-à-dire que l'intrigue, oui. elle est de base intéressante, en fait. Quoi. C'est roman, pas pour rien que tu dis qu'il y a eu des films, il y a eu des... Enfin, oui. Il y a eu beaucoup d'options, parce que c'est ce qu'on appelle en anglais un high concept. Quoi. C'est un concept très fort. Et je pense que tu donnes ça à quelqu'un qui lit pas trop de manga en première lecture.
ça va, t'es pas non plus, tu le pousses pas non plus dans un terrain trop inconnu, et il y a des trucs qui peuvent, clairement, il peut se raccrocher, et ça peut être clairement intéressant comme première lecture, je pense. C'est une dystopie toute douce. Ouais, voilà, une dystopie toute douce, Caroline Segarra. Un très beau, Allez, hop, un nouveau bandeau. un nouveau bandeau. Décidément, on va faire beaucoup de bandeaux. Bah, une autre dystopie, par exemple, dans laquelle je me suis enfin plongée, et j'en parlais hein, depuis plusieurs émissions, ça fait quelques années hein, que je fais maintenant le Glénat Manga Live, et il m'aura fallu celle-ci, hein, cette émission-là, début 2024, pour enfin me plonger dans cette œuvre extrêmement connue, c'est vraiment pareil, voilà, c'est cultissime, c'est Gun. Voilà, que je prononce bien, parce qu'en fait tout à l'heure C'est je disais Gunem ou Gun Gun, parce qu'il y a un M. Ouais, mais en japonais, c'est pas juste Gun. Écoute, tu vas chercher, mais je crois que c'est Gunemu. Je Gunemu. croyais Gunemu. Ah bah écoute, je Je sais suis. que plein de gens prononcent Gunem. Ah, mais oui, c'est même pas du tout ça. Il y a deux kanji. Vous Ouais. savez qu'il y avait deux kanji? Alors, Moi, oui, j'étais mais sûre je que ne c'était les ai des pas lus. katakana. Écoute. Bah, c'est Ganmu. Gunme, tu vois. Ganmu. Et le mu, oh, c'est beau parce que le mu, c'est le kanji du rêve de Yume. Ah. Donc en fait, ça se trouve, ça veut dire dystopie. Je plaisante. Oh là 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 là. Non, Ganmu. Voilà, Gamme. Ganmu, Oui. que j'ai enfin testé. Parce qu'en fait, ça faisait. C'est vraiment un des sujets, c'est un fil rouge dans ces émissions que je fais. Parce qu'on a eu l'occasion plein de fois d'aborder Ganmu. Décidément, je vais m'adapter à cette prononciation. Et ça faisait longtemps que je disais, il faut vraiment que je me plonge dans cette histoire. C'est un des titres les plus cultes du catalogue de Glénat. Tout le monde me dit que c'est génial. Mon mari est ultra fan, il adore aussi. Et moi, en fait, j'étais toujours pas entrée à l'intérieur de cet univers-là. Et vraiment, je savais que ça me manquait. Ça manquait à ma culture. Et j'ai été bluffée. J'ai été bluffée tellement c'était bien. J'avais du mal à m'arrêter, en fait, dans ma lecture. Je suis arrivée en retard. J'avais une réunion ici. Je suis arrivée en retard. Je m'arrêtais Alors pas. pour les gros fans, là, je n'ai que Last Order et Mars Chronicle. Je Ah, il manque n'ai pas vu la Il première n'y a série. pas Je ne sais le. pas où elle est. Je ne la vois pas. Normal. Hein. On a un très beau coffret gomme, Ah, mais c'est justement. pour ça, il Ouais. doit être dans le coffret. Parce que sinon, il y a l'édition originale, évidemment, qui a été publiée en 9 volumes. Qui est très très bien, Que je vois Bon, pas. Car c'est ce c'est que je suis pas. en train de lire, hein, c'est Mais le l'édition coffret est très beau. originale. Voilà. N'hésitez pas, c'est l'occasion. Peut-être sera-t-il Et réédité Gun, c'est à très beau. Noël. Voilà. Gun, c'est très beau. Ah, mais c'est Ah bah génialissime. oui. En fait, le truc, c'est qu'on me l'avait dépeint de plein de façons. On m'avait parlé de l'univers, on m'avait parlé des Bon, tu personnages. vois Patte Labor, Caro? Ça C'est un peu comme Patte n'a rien à Labor. voir, mais. Ça n'a rien à voir, mais bon, il y a des robots, quoi, cette fois. Non, là pour le coup, je trouve que c'est encore plus loin. C'est encore plus loin, Ouais, c'est encore pareil. plus éloigné par rapport à ma comparaison. Mais non, mais en fait, ce que j'ai beaucoup aimé finalement, car moi j'arrivais pas trop à me lancer dedans parce que je me disais, c'est un titre où on va utiliser le corps d'une jeune fille qui va être une machine de guerre, mais est-ce que elle n'est pas instrumentalisée peut-être dans cette histoire? Et en fait, je trouve que Gali, le personnage de Gali, est. Particulièrement attachant, je la trouve hyper intéressante, elle m'inspire énormément, j'aime beaucoup sa manière de réfléchir par rapport à sa propre situation, comment elle réfléchit par rapport aux autres, sachant que j'en suis vraiment encore aux prémices de l'histoire, hein. Je n'ai pas fini les 9 volumes, donc vraiment j'en suis au début du début, et en fait elle a réussi à me capter. Moi j'avais en fait un peu peur de peut-être de me dire qu'il y aurait un male gaze dans cette histoire qui allait me gêner, et en fait pas du tout, à aucun moment. Il n'y a même pas un soupçon de male gaze. Et en fait, enfin pour l'instant, de ce que j'ai lu. Il y en a peut-être, c'est toujours compliqué, Mais surtout pas par rapport avec. à l'époque, mais effectivement, Mais en revanche, t'as non, mais pas c'est ça, dans le de... contexte de l'époque où ça a été écrit, je m'attendais à bien plus parce qu'en plus, les artbooks de l'auteur, enfin, j'en ai hein, chez moi, hein, tu vois, je vois les dessins, je fais. Ok. Et du coup, je m'attendais quand même à ce que ce soit beaucoup plus explicite sur plein de choses. Et en fait, pas du tout. C'est même, enfin, par exemple, Ido. Ido, qui est, si je me trompe pas de nom, on va dire quelque part un peu le papa de Gali, puisque c'est lui qui l'a reconstruite quand il l'a trouvée dans la décharge. Bah, il y a un moment donné, il y a une blague sur Ah, t'es jaloux parce que du coup elle s'intéresse à un garçon, nanana. Le gars, en fait, il est ultra ultra paternel avec elle. En fait, c'est vraiment, il a Ah des oui, réflexions de papa en personnage plus. d'Ido, clairement, bien sûr. Et en fait, du coup, je trouvais, enfin, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, tu vois, plutôt que de me dire, ouais, le gars, il l'a créé, c'est sa chose, ou je sais pas, tu vois. Car je savais pas trop dans quoi vraiment j'allais me plonger, puisque j'avais pas C'est encore lu, tu intéressant, vois. en revanche, parce que pour quelqu'un qui ne connaissait pas, ce que Ouais. tu en retenais ou ce que tu comprenais, c'était le fait que c'était une fille à qui on avait imposé un corps de métal. Et, enfin, ce truc-là qui est clairement pas secondaire, mais qui n'est pas très important au début de Gunem, puisque. Mais c'est les trucs qu'on me disait pour me parler de la Mais série. c'est ouais, mais c'est rigolo parce qu'à la limite,
pense c'est plus développé à la toute fin de Gunn, mais surtout dans, plutôt dans Last Order, enfin, genre ce qui viennent sur son origin story, en fait, parce que dans le récit de base, elle est découverte, elle est déjà un androïde, en fait. Elle est déjà un cyborg. Donc, il n'y a, y a pas ce truc de désincarnation absolue, même si elle essaie de trouver qui elle est. Enfin, tu vois, c'est pas comme si on l'avait, elle était humaine à un moment et qu'on en avait fait un robot, qu'on lui avait privé de son corps. C'est plutôt une quête d'identité, tout le récit. Oui, mais justement, je trouve ça super cool en fait Mais du que coup, ce c'est ouais, soit mais le c'est cas. marrant que c'est l'idée qui en ressortait pour les gens qui t'en parlaient ou quoi, de parler vraiment de cette Mais concept de corps, quoi. c'est comme si en fait on m'avait donné finalement que les contours, tu vois, on m'avait donné que les contours extérieurs du produit et que je me disais bon d'accord, c'est peut-être pas les arguments les plus vendeurs pour moi, mais en fait d'avoir une Gally aussi humaine, c'est vraiment pas l'image que j'en avais avant de me plonger dans la Bah, lecture. effectivement, après, comme tu parles de male gaze, on peut toujours le trouver dans le sens Après, je que. dis pas que je suis contre le male gaze complètement, que les gens n'aillent pas non plus, tu vois, mais j'avais peur qu'il Non, mais soit très imposé. J'avais on peur. peut toujours le trouver si on gratte, dans le sens que tu auras comment, des journalistes ou des autrices sur cette question-là pourront te dire que le personnage de Gally, initialement, tel qu'il est écrit, de manière très candide, qui découvre le monde un peu comme Bambi, c'est un male gaze, quoi. C'est un stéréotype et un archétype de femme qui plaît beaucoup au lecteur masculin, l'espèce de. Peut-être pas biche apeurée, parce qu'elle est méga forte et que dès le premier volume, elle commence à tabasser des gens. Mais il y a ce truc, elle découvre le monde, elle est méga amoureuse, elle découvre la vie, elle est pas encore l'espèce de guerrière qui Je va vois se ce que tu veux développer au dire. fil de l'intrigue, en fait. Donc, il y a cette vision-là. Moi, je pense que c'en est pas, puisque je pense que toute l'idée, c'est une question d'évolution. Et Oui. surtout que c'est un personnage qui a complètement perdu la mémoire au début du récit, Oui, et donc qui elle ne doit sait rien du apprendre les choses. Donc, tout, ouais. plutôt que de dire que c'est une espèce de. Bah, c'est une femme enfant, mais au sens très premier du terme, quoi. C'est-à-dire qu'on a rebooté la machine, et donc bah, Gally est un cyborg donc, qui découvre tout pour la première fois, et le lecteur découvre avec elle. C'est une bonne idée en plus scénaristiquement, parce que le lecteur découvre le monde, la cité À travers ses de yeux. Jellu, et ça. Enfin, oui, bien sûr, c'est ça qui est super intéressant, quoi. En plus, attends, là où ils sont, c'est ah voilà, Kudzu-Tetsu. Donc en fait, je trouve que c'est l'association de deux termes en japonais qui sont bien pensés, parce que Tetsu c'est le métal, Métal. et Kudzu c'est ce qu'on peut dire, c'est de la merde. Dans l'idée, c'est un peu Ah, ça. Kusso, c'est la C'est merde. ouais, mais Kudzu c'est alors C'est c'est pas pas la de la blessure, hein. merde. Ah, c'est Kizu, la blessure, pardon. Kidzu, c'est oui, C'est la c'est très. blessure. En fait, attends, j'avais l'adaptation parfaite à cause d'un titre qui s'appelle Kuzu no Honkai. Ah, Scum. Scum, du coup, en Ouais, anglais, c'est... Ah oui, c'est vrai que Mais c'est pas du caca, mais c'est nous, de Scumbag, la merde, c'est... genre, quand tu Oui, considères c'est comme de la ordure, c'est merde. déchet, quoi. C'est Voilà, le quand tu déchet. considères comme un déchet. Donc, c'est les C'est métals, la les déchets, enfin. déchetterie, quoi, globalement. On appellerait ça la déchetterie de métal, tu vois, donc... Après, peut-être qu'il y a un vrai terme en japonais pour dire déchetterie, je ne sais pas, parce que j'ai jamais Non, été mais la là, en tout cas, déchirurgeon. c'est... Dans Mais du tout coup, cas, c'est l'association ça. des deux termes, en tout cas en japonais, il fait encore plus de sens, parce que du coup, tu comprends tout de suite où tu mets C'est un les mélange pieds. entre une décharge et une déchetterie, là, quand tu lis les Bah, au conneries, du début, coup. elle est dans une espèce de décharge, puis après, bah, Tout à tu peux fait. dire qu'ils vivent dans une ville de déchets, C'est un bidonville, oui, un clairement. bidonville, ouais. Donc on est en plus encore dans cette espèce d'environnement qu'on retrouve effectivement dans d'autres œuvres. Après, j'ai pas trouvé. Zalem, ça représentait quoi? C'est s'il y avait des termes japonais dedans, mais peut-être que là c'est une Ah, alors, invention. non, ça, on le sait, il y a une Ah, explication, mais et tout plus ça à la tard. fin. Bah, tout ça à la fin. C'est vrai? Bah, tout ça à la fin T'es... C'est révélé à un moment, en fait. Mais je Ok. te le dis pas, mais Non, maintenant t'as raison. Non, quand tu vas le, quand tu vas merci. le, On fera un merci. deuxième live quand on Voilà. aura Quand tu auras tout terminé, terminé on et on fera pourra vraiment débattre. les recos de Tata Caro. Alors, j'ai lu Gunn aujourd'hui. Les enfants, c'est super, je vais vous expliquer C'est pourquoi. merveilleux, allez-y. Non, mais du coup, voilà, il me manquait vraiment cette œuvre incontournable. Et je suis tellement contente de m'être plongée dedans. Enfin, je comprends, tu vois, tout l'amour que mon mari il a pour ce titre. Après, il n'a pas lu les spin-offs, mais du coup, je vais les prendre aussi, en fait. Je vais Ah prendre le package complet. ouais. Il faut. Sachant que Last Order c'est la suite. C'est la suite Alors tous les fans directe. sont pas fans, Et Mars mais voilà, Chronicle, elle c'est existe. Et avant. Mars C'est Chronicle ça. c'est un préquel. En revanche, effectivement, il est encore dessus actuellement. Toujours en Corée. Ouais. Et effectivement, c'est de la dystopie dans tous les cas, même si encore une fois, là, comme Akira, c'est des œuvres qui sont mixées avec plein d'autres choses. C'est du post-apo, c'est de la SF beaucoup plus, on va dire. Pur dans le sens ce qu'on imagine de la SF avec donc du cyborg, des robots, tout plein de technologies, vraiment il y a un truc de science-fiction, et ça mêle plein de choses. Tu l'as pas lu, mais il y a tout un arc à un moment dans la première série sur du sport. En fait, ça part en manga de sport qui rappelle. C'est Rollerball, qui est un roman, en tout cas c'est un film, ça c'est sûr, hein, d'anticipation, qui lui aussi est une dystopie où tout se règle par le sport en fait. C'est-à-dire que c'est des arènes modernes.
Et c'est un peu ce que t'as dans Gun, mais t'as une espèce d'arène moderne, j'ai oublié le nom, mais j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui est très fan, il va le dire à un moment, je pense à jouer à Oléo Switch et il refait toute l'intrigue. Rappelle-moi le nom du sport s'il te plaît, parce que j'ai un peu de mémoire, encore une fois. Mais en tout cas, il y a un sport dans le monde de Gun, et dans lequel... Le motorball, merci. Ouais, c'est ça, merci Eden Rakouen. Notre CM a été plus efficace et plus rapide. Tout à fait, le motorball. Et qui est une référence directe au rollerball, ça pour le coup, à l'œuvre rollerball. Et c'est dans ça que tu as donc toutes les... C'est une arène moderne, enfin vraiment c'est des trucs de gladiateurs. Gali va s'inscrire dedans parce qu'elle veut obtenir un gain que seul le vainqueur peut avoir. Et tu vois qu'il n'y a plus de... Il y a des enjeux politiques qui se mettent dedans, c'est aussi un autre truc des dystopies, c'est que tu peux régler aussi par diverses manières. Tu vois, quelqu'un avait cité au tout début, est-ce que Hunger Games est une dystopie? Par exemple, ça l'est carrément. Complètement. Ça est complètement une dystopie. Complètement. Et dans l'histoire, c'est vrai qu'il y a eu des questions, pas des pièges, hein, mais ça ressemble à des questions pièges. Est-ce que t'es là, pas une dystopie? La plupart étaient, j'ai vu V pour Vendetta, c'est une dystopie. Hunger Games, c'est une dystopie, clairement. Donc voilà, et donc t'as... Gun, c'est pas une pure dystopie parce que l'intrigue va dans plein de trucs et surtout Gali n'est pas vraiment à un moment n'est plus trop affecté par on va dire l'oppression de l'État puisque étant une espèce de guerrière surhumaine elle s'en fiche un petit peu. Une sorte de berserker finalement. Bah, oui c'est le terme. Ben, bravo tu as retenu le terme. C'est bien. Oui. C'est tout frais dans ma tête. mais ce qui est intéressant c'est que enfin. Toute petite aparté, tu as eu l'adaptation du film, enfin, tu as une adaptation en film live il y a quelques années qui a été produite par James Cameron. Mm-hmm. Et je sais que pas mal de gens reprochaient que ça faisait pas assez bidonville, en fait, ça faisait pas assez dégueulasse. Mm. Et. Alita. Ouais, Battle Angel Alita, qui est le nom qui était aux États-Unis, en fait. Les États-Unis ont découvert via ce titre-là, en fait. Et Cameron, il est absolument fan de Gun depuis le milieu des années 90. Il a. Pris les droits pour en faire une adaptation qu'il n'a jamais pu concrétiser, donc il l'a donné à Robert Rodriguez. Tu sens quand même, il y a un critique que j'aime bien au cinéma qui dit souvent, c'est le meilleur film de Rodriguez et c'est le pire film de Cameron, dans le sens que tu sens que Rodriguez n'est pas un très bon réal et que sa patte est un peu lourdingue, mais tu sens que Cameron était derrière, que c'est lui qui a écrit le scénar, qui a beaucoup de choix, à mon avis, artistiques et esthétiques qui sont de lui. Et le fait que le bidonville, tel qu'on le voit dans le film, ça a l'air d'aller un peu, ça se rapproche un peu de notre monde, je ne pense pas que ça soit un hasard. Je pense que ça a choqué un peu les fans du manga qui disent « Oh là là, non mais c'est quoi ce truc, ils jouent au basket, ça a l'air d'aller, ils sont à deux doigts d'avoir des mugs Starbucks. » Mais en vrai, la dystopie, ça commence toujours par un monde qui ressemble un peu au nôtre, en fait. Mais oui. Si c'est trop décorrélé. Je pense que l'idée de base, peut-être que je me trompe, mais de Cameron, quand il écrivait le film, c'était un petit peu de mettre des éléments picturaux qui nous rappellent beaucoup plus notre univers, parce que dans Gun, on est vraiment dans l'ASF pur et dur, quoi. Totalement. C'est un monde très futuriste, quoi. C'est comme Akira. Enfin, Akira, c'est déjà un peu proche d'une autre. Bah, Gun, par exemple, je le connectais pas trop avec Akira. Quand tu sais, ça, c'est un petit peu ce que j'appelle, moi, dans ma tête, hein, c'est un peu le trio infernal de l'ASF de chez Glénat, en tant que titre culte. Il y a Akira, il y a... Dans ma tête, il y a Blam. Blam et Ganmu. Gun. Pour moi, c'est les trois, tu vois. C'est une espèce de triforce que tu peux pas... dans ma tête, c'est un peu comme ça. Après, je sais que pour les fans de Nikkei, peut-être qu'il y a autre chose que Blam qui mériterait d'être dans cette triforce que j'ai créée moi-même. Hein. C'est moi. C'est mon big three à moi de la SF. Blam, si tu veux. Oui. Mais pour le coup, j'avoue, moi, j'ai testé Blam aussi au passage, hein, puisque j'avais pas forcément trop eu l'occasion de me plonger dans l'œuvre de Tsutomu Nihei. En fait, Nihei, je le connaissais parce que j'avais eu l'occasion de faire l'exposition qui avait eu lieu à Angoulême il y a quelques années, c'est en 2019, si je ne me trompe pas. Et j'avais été bluffée par son univers, parce que ce n'est pas un univers dans lequel je serais allée de moi-même, mais en fait, on ressent énormément de choses quand on se balade au milieu des planches, et même la manière dont l'expo avait été mise en place, je la trouvais très intéressante. Donc je savais un petit peu dans quoi j'allais éventuellement mettre un peu les pieds avec Blam, et du coup, j'ai testé le premier tome là, de l'édition Deluxe, qui est superbe, voilà, qui est très 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 belle. Et il y a des choses qui m'ont un peu frappée, et quand j'ai trouvé cette anecdote qui, je l'espère... Parce que c'est pas le livre, parce qu'il est lourd. Ça a été très nul. Mais j'ai découvert que... On la coupe au montage, on est d'accord, c'est pas en direct. Bien sûr que c'est pas en direct, évidemment. Jamais, nous faire des lives en direct, tu es fou. Non, mais j'ai découvert qu'en fait, il avait fait des études d'architecture. Tout à fait. Mais c'est évident. Enfin, tu sais, quand tu lis Blam, moi, c'était le premier truc que je me disais. Oh là là, il fait des conceptions, des dédales dans tous les sens et tout. Mais tu n'as pas la sensation qu'il fait n'importe quoi, tu vois. C'est des choses qui sont extrêmement bien construites. Et du coup, quand j'ai vu cette anecdote, je me suis dit, ah ouais,
Là, il y a eu une frustration qui... Et il s'est lancé là-dessus. Après, le truc, c'est que c'est... quand tu commences et que tu sais même pas trop de quoi ça va parler, parce que moi, j'avais vu des planches, j'avais vu des contextes un peu par endroit, mais je n'avais pas le propos exact de cette histoire. Mais du coup, tu vas peut-être nous éclairer sur la dystopie. Mais quand tu commences, c'est presque un peu hermétique. Tu vois des choses, des éléments qui s'enchaînent, tu vois des... forme de Ouais. vie qui crève littéralement toutes les 3 pages, jusqu'à ce que petit à petit, il y ait des indices qui commencent à te permettre de comprendre dans quoi tu mets vraiment les pieds. Bon, déjà, Blam, moi je l'avais pas lu avant récemment. J'ai commencé à le lire. Donc en toute honnêteté, je suis pas le plus grand connaisseur de Blam. Mais Niai, j'avais lu Night of Cydonia, je lis Aposism, donc je suis quand même Night fan Shinya des. qui est ici d'ailleurs, Ouais. Qui est en aussi petit format. une forme de dystopie. Enfin. Niai, c'est compliqué comme artiste parce que c'est pour le coup c'est vraiment hop là, je vais comme ça pour le montrer c'est vraiment un artiste assez complet. Tu as dit il a fait des études d'architecture, ça se ressent effectivement quand tu lis le manga, mais tu Ah vois bah aussi clairement ouais. diverses influences esthétiques qui sont pas que japonaises, c'est-à-dire que tu vois La BD, de manière générale, Ouais, bien sûr, la BD tu vois beaucoup occidentale. toute la BD occidentale des années 70-80, tu vois beaucoup de. Tu vois un peu de. Comment Giger, l'artiste qui est derrière la création du xénomorphe de Alien, tu le vois dans des tableaux de Giger avec des trucs très. Comment dire. Compliqués, labyrinthiques, tu vois des choses assez fouillis. Et en fait, je m'étais posé la question de si c'était à l'époque une bonne idée de ressortir en grand format Blam, parce que le dessin. Surtout des personnages principaux, en fait, ressemble pas du tout à la cover. La cover, c'est un dessin plus moderne et c'est pas du tout le dessin qu'il a Si dans c'est beaucoup, Sidonia ou dans voilà, c'est Aposism. beaucoup plus, enfin, l'illustration de la Et couverture est beaucoup plus récente. Ça se voit au niveau de son. c'est un trait en fait qui est très particulier au niveau des visages. Je m'étais dit, est-ce que ça vaut le coup de le refaire en grand format? C'est peut-être un peu moche, entre guillemets. En fait, l'intérêt, il est que, comme tu l'as dit, tout repose sur le découpage et l'architecture. Blam, c'est un manga qui est. Pas RSM, mais ça repose sur peu de dialogue, surtout au début. Il L'intrigue, y a c'est à très peu toi de la comprendre. En d'explications, fait, ouais. c'est à toi de comprendre l'intrigue Ouais. par les quelques bribes qui vont être données par les personnages et par ce que tu vas comprendre de l'univers, en fait. C'est-à-dire qu'on voit notre héros Killy qui monte. Donc, à un moment, il te dit qu'il a passé tant d'étages et qu'il doit aller à tant d'étages. Des milliers Donc, d'étages. du coup, en Putain, tant, waouh, c'est impossible. en tant que lecteur, tu te dis, bon, ok, il y a tant d'étages à peu près, mais même si tu n'avais pas eu l'info, comme à chaque chapitre, tu le vois continuer à monter, tu comprends que c'est une espèce de quête un peu sans fin et qu'il essaye d'atteindre un but, quoi. On le dit au début qu'il essaie de trouver des gènes qui auraient échappé à un contrôle de quelque chose des médias, enfin des médias d'un gouvernement. Et l'élément, on va dire, dystopique à ce niveau-là, c'est le fait que peu importe l'étage où il se trouve, peu importe les tribus, les peuples qu'il va trouver, parce que on apprend très vite que Killy, ça serait un humain. Encore un peu pur, entre guillemets. Je vais essayer de pas trop en révéler parce que je pense que c'est un manga qui mérite de se Ouais, découvrir de se petit à petit, découvrir, quoi. oui. Mais on va découvrir dans le premier volume, en tout cas, que tout le monde dit, ah, mais c'est un humain, il en existe encore, c'est incroyable, c'est super, c'est ça. Et on va découvrir surtout que peu importe les différents peuples, nations, tribus qu'il va trouver, il y a toujours une espèce de gouvernement qui agit comme une chape de plomb et qui contraint les personnages. Alors, c'est pas toujours le même nom, c'est l'organisation, je crois, à un moment. Enfin, le nom change un petit peu. Killy a pas l'air complètement de savoir ce que c'est, mais en même temps il a l'air de comprendre deux trois trucs derrière. Donc voilà, l'élément dystopique il est que globalement on comprend qu'il y a quelque chose qui opprime tous ces peuples et qui les empêche en plus de bouger entre les étages. Et l'avantage de Killy c'est qu'il possède en fait un pistolet un peu dopé aux hormones qui lui permet de faire d'énormes trous C'est un peu partout. C'est antigraviton, un je sais pistolet plus. graviton, ouais, Un c'est un pistolet graviton. anti-graviton. J'ai révélé un peu plus tard le terme, mais peu importe, Bah, il est dans le tome, hein, le terme est dans le tome, hein. Ce qu'on appellerait un Fais-le. BFG dans l'univers. Non mais, un big fucking gun, Ah, ça genre. ok, je m'attendais à un terme plus technique, excusez-moi, Bah monsieur. non, voilà, je D'accord. suis pas paramilitaire. Non, non, Je vois c'est ça. un terme qui vient de Doom, c'est le nom d'une arme dans Doom qui fait beaucoup de dégâts. Donc là, ça serait pas un BFG, mais un LFG, un little fucking gun, tu vois, parce que un tir et il détruit tout. Mais en tout cas, l'intérêt de Blam, moi je trouve, il est que t'es perdu. Quand tu regardes, tu comprends pas toujours tout. Ouais. T'es un peu comme Killy, vraiment, t'es dans cet univers complètement à moitié abandonné. Totalement. Et ce que j'adore, c'est que tu arrives, il va se retrouver face à quelque chose, et des fois ça finit de façon abrupte, et il repart parce que bah il n'y a plus rien à faire dans ce coin-là, ou que tout le monde est mort, il est le dernier survivant, et il continue un peu sa quête, et l'intrigue se développe un peu plus après. Mais c'était l'intérêt de Niei par rapport à ces autres séries qui sont
un peu plus, on va dire, ordonné dans la narration, c'est que là, t'es vraiment complètement perdu, quoi. Mais dans Sidonia aussi, dans Sidonia, tu suis des... Le Sidonia, c'est un vaisseau, et en fait, l'humanité est en guerre contre une race extraterrestre, et elle a dû partir de Terre, elle essaye de revenir. En fait, le vaisseau, le Sidonia, c'est un énorme vaisseau qui contient beaucoup de gens, et dans l'histoire, le héros, j'ai oublié son nom malheureusement, il a toujours vécu avec son grand-père, je crois, de mémoire, ou son père, qui meurt au début, et il lui a dit, bah, monte dans les canalisations, et va trouver des gens. Et en fait, ils ont toujours vécu, le vaisseau est tellement grand qu'ils vivent dans les ventilations et canalisations du vaisseau, en fait. Ils avaient une cache là-dedans. Et quand il arrive, en fait, ce qui choque tout le monde, surtout, c'est que c'est un humain qui est pas... comment dire, qui est traditionnel, parce que l'humanité, à ce moment-là, elle a muté un peu avec de l'ADN de plantes. En fait, les humains, ils sont recréés, ils se nourrissent par de la photosynthèse, ce genre de choses. Et donc, il y a plein de trucs, genre, ils disent « Ah putain, mais il pue, c'est quoi cette odeur? C'est de la transpiration. Ah, mais c'est vrai que les humains, avant, c'était comme ça, il est horrible et tout. » Et vu que c'est encore un ado, il est amené à rejoindre le corps d'armes du Sidonia pour défendre le vaisseau contre les envahisseurs, quoi, globalement. Et après, t'as tout un... Ça, c'est une dystopie aussi. Ça, c'est, bah, on est oui, dans globalement, la... il joue toujours sur ces trucs-là. Il joue beaucoup sur ce truc-là, pas que, mais il joue beaucoup sur ça. Mais en tout cas, ouais, c'est des très bons choix de lecture. C'est super passionnant à chaque fois. Les univers qu'il crée, les connexions qu'il crée entre différentes œuvres, quoi. Et je pense qu'il a quand même beaucoup d'adeptes, parce qu'il y a un film de stop motion qui s'appelle Junkhead, qui est sorti il y a 2-3 ans au Japon. Qui est sorti chez nous aussi, d'ailleurs. Le film est sorti chez nous, et c'est un incroyable film. Moi, j'ai d'abord vu ce film, ouais, bien sûr, avant de découvrir Blame. Et est-ce que t'as pensé, du coup... Ah bah, quand j'ai lu Blame, j'ai fait... Vu... La chronologie ouais. Normalement, c'est pas le film... Enfin, il a pas pu copier sur le film, mais le film... C'est impressionnant parce que c'est Blame, en fait. C'est des niveaux souterrains, il y a des vies souterraines avec les créatures. Ouais. C'est les mêmes, là. J'ai oublié leur nom, mais les têtes dans le Junkhead, c'est les mêmes. Enfin, c'est un hommage à ce niveau-là. On est sur un film hommage. Hein. C'est un peu hors-série, parce que c'est un hors-sujet, parce que c'est pas une œuvre de manga de Glénat, mais je trouve effectivement que ce film fait un hommage assez important à l'œuvre de Nihei. La portée. Puisque dans Junkhead, en fait, là aussi c'est une dystopie, puisque dans Junkhead, l'humanité a réussi à atteindre un statut d'immortalité, plus personne ne meurt. Ils ont réduit, en fait, toute la société vit bien à la surface, et en fait, dans les sous-sols de la Terre, ils ont créé des tonnes de galeries dans lesquelles ils ont mis toutes les rebuts génétiques d'expériences qu'ils ont créées pour arriver à cette immortalité, les mutants, les machins, et ça a bazardé. Et le truc, c'est qu'il y a un virus qui commence à tuer l'humanité, et le problème, c'est que pour atteindre l'immortalité, l'humanité, elle a perdu la capacité de se reproduire. Et le héros, au début, en fait, c'est un simple soldat qui est envoyé dans les sous-sols de la Terre trouver les mutants et le secret de la reproduction et donc de la vie, en fait. Et il va se retrouver à se balader d'étage en étage, dans plein de situations un peu désarçonnante, on va dire ça comme ça, et avec plein de créatures, dont des trucs à la tête qui ressemblent à Blame aussi. Ça ressemble un peu plus potache par moment, mais oui, c'est globalement cette ambiance. Oui, il y a des trucs un peu... Mais bon, t'étais à tous les coins de couloir, on va dire. La mort t'attend. En tout cas, voilà, tout ça pour dire que si vous avez jamais vu ce film, essayez de le voir. C'est un film en stop motion qui a été fait par un seul homme, en plus. Enfin, il a fait 45 minutes, il a fallu 7 ans pour le faire. Il a fait 45 minutes en 4 ans, et les 3 dernières, il les a fait avec une équipe réduite de 15 personnes, je crois. Et moi, je pense que c'est clairement il s'inspire clairement de Tsutomu Nihei, et il s'en cache pas du tout, quoi. Et vous avez bien aimé le film, lisez Blame, et si vous avez bien aimé Blame, allez voir le film. Enfin, vraiment, je trouve que c'est une connexion qui montre en plus l'importance de Nihei au Japon, qui est pas toujours un auteur qu'on met en avant en France. Quand on parle de manga en général, c'est pas un auteur qui ressort beaucoup, tu vois, c'est pas un Akira, en fait. Alors que je pense qu'il a vraiment beaucoup d'œuvres. Même Apocisme, sa série la plus récente, c'est super intéressant parce que graphiquement, ça change beaucoup, parce qu'il va dans une forme d'épure, parce que c'est tout un truc, je vais pas trop non plus m'éparpiller, mais c'est sur une planète où il y a une espèce de neige constante. Et donc, ça, en termes de traits, il est beaucoup moins dans quelque chose de... Bah si, ici, c'est très noir, dans l'autre, c'est très blanc. Exactement, c'est très épuré, il ferme quasiment aucun trait, enfin, c'est super intéressant. Vous voyez, il y a beaucoup d'encre. Il y a un grand contraste. Quand on prend n'importe quelle planche, il y a toujours beaucoup de contraste, ce genre de choses, et c'est pas du tout le cas dans Apocisme. Donc, c'est ça qui rend l'œuvre de Nihei aussi intéressante et je trouve, moi, assez foisonnante, quoi. Après, la dernière œuvre qu'on voulait aborder, c'était Jean Bride. Après, le truc, c'est qu'on l'a quand même abordé dans les nouveautés, on l'a réabordé légèrement aussi après, par la suite. On peut dire que c'est très bien. On peut dire que c'est très bien. On ne parle jamais trop de Jean Bride. Il y a une question qui avait été posée par l'édito, dystopie ou amplification du réel?
Vous avez 2 heures. C'est intéressant comme truc. C'est compliqué de parler de dystopie à fond, parce que déjà, ça serait un peu trop révélé du tome 2. Ouais. Et même, oui, avec le fait, tome 2, même avec le tome 2... Il nous faudrait le tome 3. Bah, en tout cas... en vrai, il nous faudrait le tome 3. Je sais plus qui nous a dit ça tout à l'heure, si c'est Sam, c'est toi, je sais plus. Quelqu'un avait dit... On sent que toutes les cartes n'ont pas été données encore de l'univers. L'univers, oui, est très mystérieux, en fait, de Jean Grey. C'est-à-dire qu'au début, là où c'est malin, c'est que quand ça commence, je me suis dit... Moi, je me rappelle, en lisant le premier tome, je me dis, bon... C'est une critique de la société et de la place des femmes dans la société, ouais, et ouais, avec un personnage de mec qui clairement est neurodivergent, lui, je pense, et il est un peu hors des normes et des codes, et donc ça va donner une histoire d'amour entre les deux. Bon, je m'étais dit, je vois où ça va, mais c'est pas grave parce que c'est bien, c'était bien fait, c'était bien traité, ça posait des questions super intéressantes sur la place des femmes, même dans un métier, dans le sens qu'elle, elle travaille pour un organisme de journaliste, cinéma, spécialisé cinéma-série, média, et on voit que au début, elle pose une question pertinente sur un film à son réalisateur qui, lui, passe son temps plutôt à lui faire du rentre-dedans. Léger, mais rentre-dedans quand même. Ouais. Ça pourrait être plus crade, hein. En fonction des réalisateurs, ça pourrait être bien ça plus... Pu. C'est déjà pas mal. C'est-à-dire que dans un autre chapitre, on dit qu'il y a des mecs qui lui ont parlé de sa virginité ou quoi. Bien donc sûr, lui, il est quand même encore très... très soft, ouais. Très soft, on va dire. Si on compare, ouais. Si on compare, dans la c'est savoir que je m'étais dit, ah ouais, puis plus tard, je fais, ah ouais, lui, c'était un bisounours à côté, du coup. C'est ça. Et là où c'est intéressant, c'est qu'à un moment, donc il y a ce personnage masculin qui est invité à une AVP, une avant-première, pour voir le film, et il voit le réel, et bon, lui, toujours dans son monde, il capte rien, il fait « Monsieur, j'ai vu 15 trucs que faut que je vous dise, bon là je n'en dirai que 5, le reste ça sera dans une lettre manuscrite que je vous enverrai plus tard », et il lui dit un truc, il lui parle d'une référence qu'elle a faite au tout début. Oh, en fait, il lui redit la même chose. Il dit exactement la même chose que la nana, et en fait la nana a posé une question hyper pertinente avec des termes très précis, et le mec a complètement effacé sa question en se concentrant balayé sur autre chose. Comme ça, et quand plus tard, effectivement, à l'avant-première, un homme pose cette question au réalisateur, là tout de suite c'est « Oh là là, mais vous avez tout compris de mon œuvre, formidable », et tout ça, alors que la nana avait posé la question 3 jours avant, et qu'il l'avait complètement... C'est sa faute, elle avait une jupe aussi. Bah bien sûr, là là. La fameuse jupe. La fameuse jupe. Mais non, c'est... En vrai, c'est un gag parce qu'il y a vraiment cette histoire de jupe qui rentre dans le truc, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. C'est terrible. Mais du coup, c'est une œuvre qu'on recommande évidemment aux gens de découvrir. Là, en 2 tomes, on n'a pas encore toutes les clés, mais clairement... Non, mais le tome 2, en il revanche, faut... oui, il est bien parce que tout est rabattu. C'est-à-dire que ce que j'ai raconté, ce que j'ai raconté ne marche que pour le tome 1, c'est-à-dire que dès le tome 2, la fin du tome 1, comme tu le disais, il y a un clic. Bah, il y a un twist. Un fond incroyable. Un twist, le cerveau il explose. Ah ouais. Le cerveau il explose. Mais c'est parce qu'en fait du coup, il faut qu'on passe à la suite du programme. Ouais, mais je suis d'accord sur... En fait, je me dis, en vrai ça va, on l'a abordé 3 fois dans l'émission, oui, bien ride. Sûr. Je me dis, c'est pas possible qu'on nous fasse des remarques. Non, après, mais juste, c'est très bien. J'ai fait 20 minutes sur Library Wars. Non, mais juste, voilà. C'est très bien, et surtout, vous arrêtez pas au tome 1. C'est ça que je veux dire. C'est à C'est-à-dire que si vous êtes en mode, oh là là, comme moi au début, je me disais, bon, bah, je vois où ça va aller. Mais moi, j'étais content, mais je me disais, ah bon, je vois où ça va aller. J'ai pas besoin d'une énième romance sociale, blabla. Ça va plus loin. Ouais. Et le tome 2, déjà, il commence à vraiment poser les trucs. Et, allez! C'est là qu'on va vraiment. On a des éléments qui sont disséminés dans le tome 1 qui, à la première lecture, font un peu genre « Ok, pourquoi est-ce qu'on parle de ça ?» Bon, ça a l'air d'être un détail vraiment dans le background, truc politique, oui, pourquoi pas. Enfin, voilà, moi j'avais tiqué sur certains éléments quand j'avais lu le tome 1. Oui. Et dans le tome 2, je me suis dit « Hey, on continue sur ces trucs-là, ça devient un petit peu plus présent dans l'histoire. » Et ça va avoir son importance. Et on continue à être totalement dans le flou, mais en ayant quelques réponses, mais pas tout, et c'est génial. Mmh. Voilà. Mais je n'ai pas encore lu le tome 3, donc je ne peux pas vous en dire plus. On est au même niveau. Ah là 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 là. C'est terrible pour un éditeur d'être au même niveau. C'est horrible. Ça se trouve, le tome 3, c'est encore autre chose, c'est un western, tu vois. C'est peut-être vraiment... Je sais pas où ça va à chaque volume. On part dans l'espace, en fait, dans le tome 3. Mais écoutez, comme on est bientôt à la fin de l'émission, en fait, on va non plus vraiment aborder la dystopie, puisque là je pense que quand même c'est pas de la dystopie, hein. je me retourne le truc 3 fois dans la tête, ce n'est pas de la dystopie je crois, en même temps je l'ai pas lu, peut-être, après tout, pourquoi pas, puisqu'en fait on a une, non pas annonce qui va arriver, parce que l'annonce a déjà été faite sur les réseaux sociaux, donc normalement les gens sont déjà au fait de l'acquisition par Glénat de cette incroyable et magnifique licence,
Je viens de dire que je l'avais pas lu, mais je dis qu'elle est incroyable et magnifique quand même, parce que, en fait, non, mais les dessins sont fabuleux. Ah. Les dessins sont fabuleux. Et ça, déjà, rien que là-dessus, en fait, moi, je me fais attraper au col fort, parce que vraiment, c'est superbe, en fait. Elle a un style graphique qui est vraiment détonnant par rapport à tout le reste de la scène manga, je trouve, personnellement. Et c'est Satoko qui va venir nous en parler. Ludivine, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Mais de rien, ce fut un plaisir. J'ai pas beaucoup participé, mais c'était fascinant de vous écouter. Merci d'avoir partagé tes opinions également. Oui. Merci beaucoup. Mais j'étais très content. Merci à vous. À très bientôt. Et à la prochaine. Et nous allons accueillir du coup Satoko, parce que bah, du coup c'est son travail en tant que directrice éditoriale de nous parler de cette série Jadugar. Bonsoir Satoko, bienvenue. Alors, on n'a pas préparé en amont, hein, donc je ne sais pas jusqu'où on peut dévoiler des choses, mais cette annonce ne sort pas d'un chapeau de magicien avec un lapin. Alors, j'ai oublié mon lapin. Si quelqu'un pouvait mettre des oreilles. Alors, attendez, on a des gobelets. Bon, déjà, est-ce que c'est une dystopie? Alors non, je ne pense pas, parce que non, malheureusement, je pense qu'il y a deux éléments qui vont faire que ce n'est pas une dystopie. Un, ça se passe en Mongolie au XIIIe siècle. Ouais. Donc pour le côté futuriste, c'est un peu raté. Et l'autre point, c'est que ça se base sur une histoire qui s'est vraiment passée. Ah oui. Donc c'est totalement réel. La dystopie peut être réelle. Ah oui, non, oui. C'est l'anticipation. C'est mais bien. Clairement, la Mongolie du XIIIe siècle n'est plus trop de l'anticipation. Voilà, ça, donc on va changer, on va franchir des siècles. Et puis il y a un peu de distance aussi, parce qu'on est en Mongolie et on quitte la France pour aller sur l'univers de Jadugar. Donc Jadugar, donc quand je disais, je ne sais pas jusqu'où on peut dévoiler, est-ce qu'on peut dire qu'on on est allé au Japon récemment et que... Oh, il y aura des choses à vous montrer un peu plus tard. Mais un peu plus tard. Pour l'instant, ce que on en est en premières annonces, c'est que j'ai pu dévoiler au Festival d'Angoulême que nous allons sortir ce titre qui est vers cet automne, vers septembre, normalement, si tout va bien. On a prévu de le faire un peu plus en grand format. Et Donc c'est-à-dire... Plus au format perfect. Ah ouais, carrément. Donc, où sont les perfects ici? Pourquoi? Comme ça. Ouais, voilà. Ah, merci. Donc, d'accord. En grand format, parce que d'une part, je pense que les éléments qui sont décrits, alors que je ne spoil pas trop, je suis sur le tome 2, donc j'ai peur de spoiler trop de... Ah, attends, tu veux ouvrir sur le tome 1 Mais effectivement, on a des motifs... Genre là, regarde justement... comment c'est précis, là, au niveau... Oui, par exemple, on a... L'architecture. Ou des descriptions d'armées... J'approche plus. Bah après, en fait, donc... le ça devient flou, parce que le focus, il est fait sur nous. On a une autrice qui quand même... alors, au niveau des personnages, elle a des traits assez simples qui font un peu penser à Tezuka, peut-être, au niveau du chara-design. Ou pourquoi pas à certaines BD comme du Marjane Satrapi ou des... On va dire, elle fait exprès, je pense, d'utiliser des personnages avec des traits un peu enfantins qui font bien ressortir l'émotion des personnages dans les planches. Et d'un autre côté, elle se base sur des études très précises, des motifs, alors à la fois perses, puisque l'histoire commence en Perse, où l'héroïne Fatima commence sa vie, et très vite, elle sera enlevée par l'Empire mongol, et elle va aller rejoindre justement les troupes de l'Empire et le palais impérial. Enfin, ce qu'on appelle palais sont plutôt des yourtes. Mais... La yourte impériale. Les yourtes donc... impériales. Et elle va être mêlée à la politique de l'époque. Et Fatima, par sa soif de culture, va pouvoir rencontrer Thorégène, qui est une reine locale. Et l'histoire dit qu'ensemble, elles ont pris le pouvoir dans cet empire mongol du XIIIe siècle. C'est juste après le décès de Genghis Khan. Ah, c'est à ce moment-là. Et on a donc ses fils qui se partagent le pouvoir. Il y a des disputes, il y a évidemment des disputes avec les peuples locaux. Et c'est vraiment ce qui va se passer dans ce... Et comment deux femmes ont pu s'en sortir, justement, dans cet univers. Parce qu'on est quand même au XIIIe siècle.
Oui, donc c'est un récit historique. C'est étonnant finalement de retrouver ce type d'emplacement historique et géographique pour un manga. Qui n'est pas très connu quelque part. Ah, après le manga, je pense. Il y en a eu quelques autres, mais ça reste très peu, non? Ou alors c'est parce qu'en fait ils ne sont pas arrivés en France. Alors après, les auteurs de manga s'intéressent pas mal à tout ce qui se passe à l'étranger. Je pense qu'on le voit suffisamment avec nos œuvres. Mais là, typiquement, Tomato Soup est une passionnée d'histoire et de culture. Donc ses autres titres aussi se basent sur des faits historiques. Et Jadugar, elle a choisi de se baser dans un contexte historique qui lui a beaucoup plu. Donc elle a voulu raconter cette histoire, qui est une légende qui est a priori bien connue des contrées dans lesquelles ça s'est passé. Oh, d'accord. Mais pour nous, pour les Japonais, je pense que ce n'était pas très connu non plus. Et pour les Occidentaux, je ne pense pas que ce soit une légende, que ces jeunes filles soient des jeunes femmes, jeunes, je ne sais pas, même pas, soit des personnages très connus. Et je trouvais intéressant justement qu'on puisse les redécouvrir avec ce manga. Et ce manga qui ne se contente pas, c'est comme tous les mangas, de raconter juste, c'est pas un livre d'histoire. On s'attache vraiment aux personnages qui sont dedans. Même les personnages, on va dire, les ennemis, les personnages secondaires, les autres reines, les autres rois, ont chacun des personnalités qui sont assez attachantes. Donc voilà, entre scènes un peu comiques, scènes sérieuses, on suit vraiment les destinées d'une jeune fille qui commence esclave dans l'Empire perse et qui ensuite va rejoindre les Mongols. Et on est d'accord que, il me semble, c'est un titre qui a été reconnu aussi au Japon. Alors je me souviens plus si c'est le Konomanga Gagasugoi ou un autre. Je crois qu'il était le Konomanga Gagasugoi, le public féminin de l'année dernière. C'est 2013, ça. 23. Alors, voilà. Tu es reparti sur l'année de Library Wars, c'est ça? tu es impacté. oui, parce que du coup, c'est là que moi j'ai entendu parler pour la première fois de cette histoire. C'était vraiment un coup de cœur des libraires, je pense, à l'époque, des libraires et des professionnels du manga. Et depuis, cette autrice a fait beaucoup de chemin. Mais il y a déjà... attends, du coup, c'était effectivement l'année dernière. Donc là, il n'y a que 3 tomes de sortie pour l'instant pour ou l'instant... on est plus de titres tomes publiés? Pour l'instant, j'ai 3 tomes en main, mais elle a une publication sur un site internet, donc c'est pas non plus le rythme d'un shonen. Ce n'est pas un shonen qui se passe dans un weekly. Donc on a un rythme un peu plus lent, mais effectivement, on a déjà les 3 tomes en main. Donc en tout cas, pour suivre la publication version française, on va pouvoir les publier à un rythme assez régulier. Oui, en plus, si c'est en septembre, il y aura peut-être déjà un 4e tome de sortie au Japon aussi. Normalement, oui. Potentiellement. Tu parlais rapidement aussi de son style graphique par rapport aux traits des personnages. Tu disais qu'il y avait, que ça allait faire penser aux gens peut-être à du Tezuka. Ça aussi, j'ai trouvé que c'était étonnant parce que c'est pas forcément un style qu'on retrouve de manière fréquente dans les autres mangas contemporains qui sortent actuellement. Donc là aussi on est sur vraiment une signature graphique de la part de cet artiste. C'est aussi un des points qui a séduit les équipes de Glénat, j'imagine. Je pense aussi parce qu'elle a un trait très reconnaissable et je trouve aussi que c'est peut-être un manga qui pourrait être lu par des non-lecteurs de manga. Assez souvent on aime bien proposer des titres qui pourraient peut-être intéresser aux personnes qui se disent « Ah, le manga, on en parle, mais par quoi est-ce que je vais commencer? Est-ce que je vais pouvoir découvrir ça ?» Et je pense que Jadugar est peut-être un titre qui pourrait convenir à ce type de personnes, des personnes qui sont intéressées par l'histoire, par des récits de femmes, ou par un trait un peu atypique. Et par rapport, effectivement, à un shonen qui est une histoire peut-être qui intéressera plus les ados ou un jeune public féru d'animation, par exemple, là, je pense que Jadugar, on peut s'adresser à un large public. Bien évidemment, quand on aime le manga, on s'y intéresse tout de suite, c'est assez facile d'être complètement omnubilé par ce manga, mais le côté, on va dire, très ouvert à tout public, facile d'accès, je trouvais que c'était un point intéressant pour ce titre. Il y a quelqu'un qui demande sur le chat si, par exemple, quand on a déjà lu Bright Stories, on peut être amené à apprécier du coup de la même manière Jadugar. Parce que je pense que aimer Bright Stories, c'est s'intéresser un peu à des populations différentes, qui ont des codes de vie qui sont complètement différents. Une culture différente. Donc ce n'est pas la même culture, mais on se base dans les mêmes régions, donc on est... C'est au niveau des routes de la soie, et ainsi de suite. Comme tu dis, c'est des nomades, c'est des yourtes. C'est ça.
Et visuellement, c'est intéressant parce qu'on a vraiment un mélange entre Bright Story pour tout ce qui est costume, ornement. Mm-hmm. Et visuellement, ça me fait penser aux œuvres du studio de la Tatsunoko, qui est un vieux studio d'animation des années 50, 60, 70 pour les plus jeunes qui ne connaîtraient pas. Et ça me fait penser beaucoup à une série qui en français s'appelait Robert dans la bouteille, qui c'est sur un génie. Je connais pas du tout. J'ai oublié le nom en japonais. Alors là, le nom français. Non, mais en fait, c'est un truc sur un génie, mais visuellement, tu verras le look. Et en fait, ce personnage a un truc de génie et il a une espèce de petite sœur. Et en fait, elle ressemble beaucoup un peu à ce genre de look avec les nez un peu en pointe et tout ça. C'est très Disney, mignon. Il y a peut-être un côté Disney ouais, aussi. Oui, non, mais c'est ça. Mais peut-être. Oui, ouais, vraiment, c'est le genre. C'est l'époque où je. Ah, ouais, clairement. Tezuka, c'était pareil. C'est vraiment les époques où les cultures se mélangeaient entre l'animation occidentale. Mais c'est vraiment super visuellement. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas. En tout cas, c'est un titre très original. Ouais. On ne peut pas l'oublier. Même la couverture, je pense, est facilement reconnaissable. Ah, vivement que la couverture française soit validée, hein, comme ça, on pourra la partager sur les réseaux sociaux. Donc on peut imaginer que ce sera quelque chose qui s'apparente à ce qu'il y a déjà sur la couverture du premier tome. Là, le visuel est vraiment très beau, donc on va pas le changer juste pour le modifier particulièrement. Mais bon, il y a un logo qu'il faut adapter. Et puis, si on peut faire de jolis effets... on est en réflexion avec les équipes de fabrication, justement, pour pouvoir étudier ce qui est possible. Eh bien, ça tombe bien que tu parles des effets potentiels, du coup, sur la couverture, puisque, bah, du coup, des fois, en termes de production, ça revient un peu plus cher pour la maison d'édition. Et justement, la dernière annonce de ce live, c'est que, a priori, cette année 2024, il faut s'attendre à ce que peut-être les prix changent en librairie. Alors, pas les prix. Alors déjà, c'est cool. Alors, c'est le prix. Je viens malheureusement avec une mauvaise nouvelle, mais je nuance, c'est une mauvaise nouvelle et pas plusieurs mauvaises nouvelles. C'est que une. C'est qu'en janvier 2023, on avait annoncé une hausse des prix du manga. Et à ce moment-là, j'avais dit que les raisons, c'était que tout ce qui entourait le manga, que ce soit les frais d'impression, que ce soit le papier, avait augmenté. Et on avait essayé à ce moment-là de contenir la hausse des prix au maximum. C'est pour ça que le premier prix du manga, qui était à 6,50 à l'époque, on l'avait retenu à 6,90. Après ça, on a continué à étudier, on a espéré, on a prié très fort qu'il y ait une baisse du prix du papier notamment, ce qui ne s'est pas produit. Voire il y a eu une hausse, il y a des usines de papier qui ont fermé depuis. D'autres qui sont reconverties dans le carton au lieu de faire du papier. Ils font des cartons. Ah ouais. Comment dire, les cartons sont un peu plus utilisés depuis que tout le monde se fait envoyer tout de la part de grandes entreprises. De grandes institutions. Voilà. Et effectivement, ils ont eu besoin de vivre aussi. Donc ils sont... Et les prix, vous voyez, l'inflation ces dernières années, je crois qu'elle est assez importante. Et malheureusement, pour pouvoir continuer à éditer les titres, tous nos titres, et pouvoir imprimer deux nouveaux titres, il va nous falloir augmenter un prix. Le seul prix qui est le premier prix, qui est celui de 6,99 actuellement. Qui passe à 7,20. Voilà. À partir du 1er juillet. Ah, voilà. C'est pas tout de suite. Je ne voulais pas vous l'annoncer au dernier moment. Je pense que c'était pas très, très fair-play non plus. Donc voilà, on a essayé de vous l'annoncer au plus tôt. Donc la décision vient d'être prise. On vous l'annonce, vous avez encore quelques mois si vous avez encore des séries à... Faut acheter tout One Piece maintenant. À acheter, en vous vrai, êtes en retard. Ah bah oui. Maintenant ça vaut le coup. En juillet, ça sera... Voilà, donc on retient tout jusqu'à fin juin et au 1er juillet, malheureusement, tous les titres qui sont à 6,99 vont passer à du 7,20. Voilà, donc on est un peu dans une dystopie. Tu vois, putain, j'osais pas la faire, merci. Parfait. Vraiment, est-ce qu'on dit ça ou pas? J'arrive dans la bonne émission. Ouais, ah bah, complètement. C'est l'annonce qu'il fallait pour cette émission, très très clairement. C'est fou parce qu'on en parlait en off. Il y a Shino sur le chat qui dit, mais One Piece, est-ce que c'est une dystopie? Parce que Shino, je le connais, j'en ai parlé avec lui. Ah, mais c'est parce qu'en fait, comme t'en parlais tout à l'heure avec Kevin, je me disais, c'est marrant. Oui, en fait, j'avais dit pour rigoler que la dystopie, si on voulait, on pouvait la trouver dans plein de trucs. Et One Piece... Et entre autres. C'est un peu rigolo, mais en vrai, ça peut vraiment être un vrai terrain de réflexion chez vous, en famille, n'hésitez pas à y penser. Dans l'univers de One Piece, est-ce que l'univers, le moment temporel où se passe l'aventure de Luffy et ses amis n'est pas une dystopie? Je ne vais pas trop en révéler pour ceux qui n'auraient pas tout lu One Piece, mais à partir du moment où
il y a 100 ans de l'histoire de leur monde qui a été mis sous silence et qui est censuré par le pouvoir en place qui est la marine. Et au vu des derniers éléments lors de ce qu'on appelle la rêverie dans l'univers de One Piece, où il y a eu des nouvelles révélations qui ont été faites, qui est un mini-arc qui se passe juste avant l'arc de Wa, donc le dernier arc, l'avant-dernier arc qu'il y avait en cours depuis longtemps, donc l'arc qui se passe dans l'équivalent du Japon, on peut poser des questions de pouvoir mis en place, et même toute l'œuvre de Oda parle quand même de la question de est-ce que les pirates sont si mauvais que ça, est-ce qu'ils ne luttent pas pour une forme de liberté qui a été perdue, les personnages comme Kobe veulent rejoindre la marine parce qu'ils veulent aider les gens, et finalement ils se rendent compte que bah, être un marine c'est pas toujours être le héros de l'histoire, donc... La question est posée, est-ce que l'univers de One Piece n'est pas une dystopie ? Quand on a la définition de la dystopie telle qu'on l'a vraiment, vraiment, on en a parlé en long, en large, en travers. Je pense en tout cas que c'est plus une dystopie qu'After God, je persiste sur ça. Mais arrête de remuer le couteau dans la... J'ai dit que j'avais compris avec After God, je vais le répéter 5 fois dans cette émission, j'ai compris, After God c'est bon, j'ai acté. Tu veux une signature avec mon sein ? Tu veux que j'ouvre ? Non, ça devient long. Tout ça parce que j'ai dit ça au début. Après, tant qu'on aime les titres, peu importe de savoir si ce sont des dystopies ou pas. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il existe des gens qui ne lisent que des dystopies, qui n'acceptent pas autre chose ? Sûrement, il doit y avoir un club très sélect. C'est moi qui ai voulu absolument imposer ce titre tout au long de l'émission, mais c'est rien. C'est juste moi. Il y a une question vraiment légitime qui est posée. Est-ce que du coup, ce nouveau prix pour ce premier prix de manga chez Glénat va impacter du coup les coffrets qui sont liés ? Les coffrets qui sont liés aux coffrets au volume, les coffrets One Piece, effectivement, actuellement évidemment impactés par ce changement de prix. Et du coup, ce sera pareil pour les autres coffrets. Je sais plus, Gunm, il est au même tarif aussi. Alors, justement, ça dépend, puisque selon les Gunm, je ne pense pas. Édition originale, non, c'est différent. Non, c'est un format un peu plus grand. Donc, d'accord. Je pense que c'est unique. Pour les premiers prix, enfin les entrées de gamme de manga Glénat. Très bien, bah voilà, la question avait été posée, et du coup je me disais, bah, vu que c'est qu'une question et elle est simple, elle est évidente, on peut y répondre pour conclure surtout cette émission. Ce genre de coffret, c'est pas des offres promotionnelles, c'est plutôt un coffret pour offrir en cadeau, mais ça change pas la valeur de prix, quoi. C'est pas des coffrets découvertes, c'est un acheté de offert, au genre de choses, souvent des gens imaginent que c'est ça, mais c'est pour ça, forcément ça impacte le coffret. Souvent, non, on évite de déprécier peut-être l'ouvrage, et puis surtout que les personnes qui ont acheté les livres ne s'y perdent pas trop non plus, donc globalement, non. Généralement, les prix restent au plus proche de la version simple. De la version aussi, on a acheté tout ensemble. Non, mais bien sûr. Oui. Et ben en tout cas, voilà, il n'y a plus d'autres questions, et on peut ainsi clore cette incroyable émission sur la dystopie. C'était assez fascinant, hein, pour reprendre le rythme des Glénat Manga Live. Thunder Geek, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bah, j'étais très contente que tu viennes nous éclairer de toutes tes connaissances et de toutes tes théories, de toutes tes explications et de tous tes ressentis également sur les différentes œuvres qu'on a abordées. Plus des ressentis, parce qu'en fait, je ne suis pas spécialiste de SF ou de dystopie. Je n'ai pas un corpus universitaire sur ça, quoi, ça je veux dire. Je ne disais pas forcément que tu étais un spécialiste, mais enfin, très clairement, tu as apporté des éléments hyper intéressants dans la discussion. Donc, merci. Toute la table, c'était intéressant, j'ai trouvé ça très cool. Mais bien sûr, Ludivine, on fait des bisous à Ludivine aussi, parce qu'elle est là, elle est plus à la table avec nous, évidemment. On a fait cette discussion, moi aussi, hein, j'ai écouté beaucoup. J'étais là, moi, j'ai écouté depuis mon bureau. Voilà, on était tous là, on écoutait beaucoup. En tout cas, merci de m'avoir invité. Bah, avec grand plaisir, on te retrouve évidemment au micro de MangaCast, et peut-être un jour en 2024, quand le Mochi revient, et que les planètes s'alignent, tu reviens également. Satoko, merci beaucoup de nous avoir rejoint du coup sur la fin de cette émission pour nous apporter les nouvelles. J'ai pu donner des bonnes infos, et voilà, des mauvaises nouvelles, mais bon, l'important c'est que je vienne vous le dire en direct. C'est très bien, ouais. Voilà, pour que je puisse tout vous expliquer, et surtout au plus vite. Normalement, l'annonce officielle arrivera plutôt demain matin. Sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, on vous l'annoncera bien en forme, pour que vous ayez toutes les informations. Et n'hésitez pas à nous poser d'autres questions si vous avez des questions à ce sujet ou des interrogations. Ce sera pour les prochains lives, évidemment. Et d'ailleurs, en parlant de prochains lives, le suivant, ce sera dans 2 semaines. Et on se retrouvera pour parler d'une des plus belles séries également du catalogue. Je dis ça pour beaucoup de séries. Mais Sakamoto Days, c'est un de mes très très gros coups de cœur, et pour le coup, vraiment, il mérite qu'on en parle encore plus, parce qu'il faut que ça prenne. Oh non, spoilez pas. Je suis la seule, en fait, littéralement ici, à lire au volume et pas au chapitre. Et à chaque fois, tout le monde...
Tout le monde me dit, ah Caroline, tu ne te rends pas compte, tu ne sais pas. Bah oui, effectivement. Mais en tout cas, sachez que donc, dans l'émission, dans 2 semaines, on va accueillir des invités plutôt nouveaux, hein, des invités qu'on n'a pas forcément eu l'occasion d'avoir avant dans l'émission Glénat. Et bah, écoutez, j'ai très très hâte qu'on se retrouve parce que même moi, en fait, je suis un peu stressée de ce qu'on va vivre. Oh là là, je vous tease, mais vous allez voir, ça va être excellent. Excellente soirée à vous, à très vite. Ciao.